Bienvenue à tous, bienvenue en cette cinquième édition de l'Epsilon Day. On est absolument ravis de vous avoir, que ce soit en présentiel avec nous ce matin, dans cette place des génies, dans notre campus de Bastille, ou bien sûr en remote. Pour ceux qui nous connaissent bien, et vous êtes nombreux dans cette salle, nos clients, nos partenaires, nos collaborateurs, vous savez que notre passion, notre raison d'être, ce pourquoi Epsilon existe, c'est tout ce qui relève des interactions entre les marques et les clients. C'est vraiment ce qui nous motive tous les jours. On a d'ailleurs un motto, hein, un claim, qui dit « Every interaction counts ». Et ce motto qui nous fait lever tous les matins est quelque chose qui est essentiel pour nous parce qu'on a une croyance très forte qui consiste à penser que la somme de ces interactions, la qualité de ces interactions, une fois sédimentées, font justement un socle de confiance entre la marque et ses clients. Alors, plutôt qu'un long discours, je voulais vous montrer déjà un petit film qui illustrait ce propos et ce fameux motto qui nous meut chaque jour. Alors, ce matin, on va s'intéresser à une nature d'interaction particulière et qui est absolument essentielle et qui le sera de plus en plus dans les années à venir, qui est l'interaction entre le média et le CRM. Et notamment, cette fameuse Data First Party, cette capacité qu'elle a à circuler entre le média et le CRM, à nourrir chacun de ces leviers pour qu'ils interagissent de manière de plus en plus efficace, de plus en plus personnalisée, de plus en plus pertinente. Et pour ça, on va avoir, et je les remercie tous parce que c'est vraiment une très belle édition pour cela, un parterre d'intervenants, puisque nous allons avoir ce matin en keynote d'ouverture, d'abord Paul-Amaury Crespe de Leroy Merlin, qui, avec Laure de Beauce, vont ouvrir ce débat autour donc, des data, du média et du CRM. On aura ensuite Yann Legrand, qui est notre monsieur Epsilon en matière de gouvernance de données et notamment la gouvernance quand il s'agit de l'arbitrer entre le média et le CRM. On a ensuite une table ronde traditionnelle dans cet Epsilon Day dans lequel Caroline Cizaret de Danone va pouvoir débattre avec Thomas Cook de VP et également Hélène Menrad de Publicis Media. On ne pouvait pas ne pas avoir Publicis Media sur une thématique évidemment CRM Média. Et enfin, et un mille merci pour cela, on est hyper honorés, en keynote de fermeture, Zisla Belia, qui est membre du conseil scientifique de l'IREP. Vous savez qu'on a toujours à cœur de finir les Epsilon Day avec un peu de hauteur, un peu d'altitude sur nos sujets. Et donc, Zisla va faire ça à merveille, on en est sûr. Donc, mille merci encore de votre présence. On va avoir une matinée passionnante. Et pour la démarrer, j'invite donc Laure et Paul Amaury. Bonjour à tous. Alors, je paraphrase Nicolas. Merci beaucoup, Paul-Amaury, d'être avec nous ce matin pour échanger sur ces interactions. Je crois que ton titre est plein d'interactions. Trafic, CRM et Media Manager. Est-ce que tu peux nous partager ce matin, pour commencer, avant de rentrer dans le vif du sujet, les enjeux de Leroy Merlin en termes de marketing et de communication? Oui, pas de problème. Donc déjà, bonjour à tous. Enchanté. Alors, parmi tous les enjeux qu'on a, je vais en citer trois. Qui irrigue aussi l'entreprise et aussi tout ce qu'on fait d'un point de vue média et CRM. Le premier, c'est de continuer de renforcer l'attractivité de Leroy Merlin, donc l'attractivité de la marque, on va en reparler, l'attractivité des enseignes, l'attractivité de nos sites internet
et l'attractivité de nos offres et des services. Ça, c'est le premier point. Le deuxième enjeu qui est important et qui est clé, qu'on a mis en place maintenant depuis presque 2-3 ans, avec aussi, c'est bien de le dire, une partie des équipes d'Epsilon sur l'île, c'est de renforcer et de continuer cette vision client dans tout ce qu'on fait. Et le troisième, qui en découle et qui découle des deux premiers, si je puis dire, c'est de maintenir cette vision omnicanale et de raisonner omnicanalité dans tout ce qu'on fait, que ça soit CRM, médias, offres. Voilà, c'est la force, une des forces de l'enseigne, notamment par rapport à nos concurrents pure player. Donc, on se doit de raisonner omnicanalité dans tout ce qu'on fait. Donc, attractivité, vision client, personnalisation et omnicanalité, ça veut forcément dire une organisation adaptée à ces enjeux-là. Comment vous faites travailler au sein de Leroy Merlin les différentes expertises pour réussir à adresser ensemble ces trois enjeux ? Alors, effectivement, je ne suis pas tout seul. C'est des enjeux qu'on porte aussi avec la direction de la com, la direction e-commerce, la direction des marchés et des rayons, donc tout ce qui est offre. Donc, on est tous dans le même bateau. D'un point de vue purement marketing, donc, a été créée récemment une direction marketing client dans laquelle il y a l'ensemble des leviers d'action marketing, donc les strates d'animation client, la feed, le pricing, la connaissance client, l'animation commerciale et donc mon pôle, tout ce qui est trafic, médias et CRM. Donc ça nous permet en fait d'avoir l'ensemble des leviers d'action marketing client et de se dire est-ce que je dois plutôt faire une OPECO ? Est-ce que je dois plutôt jouer sur mes prix ? Est-ce que je dois lancer plutôt une campagne média, etc. La connaissance client nous permet aussi de mesurer tout ça. Spécifiquement sur les leviers médias et CRM, donc on adresse l'ensemble du funnel client. Donc de la noto au trafic, la considération, la perf, le business, etc. C'est quelque chose d'assez clé et important, puisque on le voit, les grandes plateformes ou autres ne font plus trop l'indistinction ou au moins proposent l'ensemble du funnel client. Le client ne fait pas trop la distinction ou ne veut plus faire la distinction quand Leroy Merlin ou toute enseigne ou toute marque lui parle, si on lui parle marque, perf ou autre. Et pareil d'un point de vue purement CRM client. Donc le fait d'adresser l'ensemble de ces points de contact, bah, ça nous permet d'avoir une cohérence client sur l'ensemble des touchpoints. Donc, prenons un exemple tout bête. Hein, quand on expose nos clients à une offre en email, bah, ça serait quand même bien qu'il ait la même créa ou au moins le même message ou autre en média, sur le site, sur l'app, etc. Ça paraît clé et évident, mais c'est pas si simple ou pas toujours si simple. Le deuxième point, c'est que ça permet de renforcer aussi la puissance de nos dispositifs et donc leur impact pour être aussi toujours plus performant et avoir toujours plus de ROI. Et puis, ça permet aussi de personnaliser et adapter les contenus à une audience sur l'ensemble de ces touchpoints. Et le dernier point, ce qui est pour moi clé mais le plus challengeant, c'est de centraliser la mesure et en vision client. Donc ça, c'est plus d'un point de vue métier haute. Ce qui est aussi très challengeant, mais très motivant, c'est les enjeux RH. Je trouve que c'est... moi, j'ai un profil très média, très acquisition au départ. Je trouve que c'est intéressant de mixer dans une équipe des traffic managers, des experts médias, des campaign managers, des chefs de projet ou autres, parce qu'il y a une certaine émulation. Nos boulots deviennent de plus en plus techniques. Donc les traffic managers, ils savent opérer ou ils connaissent bien les plateformes médias. Et puis les campaign managers, plutôt les workflows. Et puis tout ce qui est CDP ou autre. Et au final, ça crée une bonne émulation. Et ça permet aussi de déciloter un peu tous ces métiers qui se rejoignent. Si je prends un exemple précis, un audience manager dans l'équipe, il va à la fois piloter les audiences CRM, et puis les audiences médias sur deux outils différents. Donc il a du coup cette double vision, cette double compétence. Et donc un enjeu d'organisation, un enjeu RH et un enjeu de collectif, d'expertise au service d'objectifs qui sont donc des objectifs communs pour l'ensemble de cette organisation. Concrètement, est-ce que tu... Enfin, c'est déjà assez concret hein, quand tu nous donnes ces exemples-là, mais on a forcément envie d'avoir un exemple plus concret encore dans la mise en place de vos campagnes, justement. Qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce que ça... vous apporte Alors, je vais vous lister quatre points ou quatre best practices un peu
pour aider aussi tout le monde. Et je pense qu'on doit être aussi aidé, nous, hein, parce qu'il y a des choses qu'on peut faire mieux aussi ou qu'on n'arrive pas à faire. Le premier point, c'est que depuis maintenant 2 ans, toutes nos campagnes d'acquisition médias et digitales ont une vision client-non-client. Donc on a des stratégies d'allocation de budget spécifiquement sur nos clients ou spécifiquement sur la prospection. Donc ça peut paraître bête, mais c'est quand même important. On est prêt à aller payer des audiences plus chères, parce qu'on sait que d'un point de vue rentabilité, et rentabilité omnicanal, on va en parler après, c'est meilleur. Je vous donne un chiffre, il y a 55% de rentabilité omnicanal de plus sur nos clients. Alors certes, on les paye plus cher à l'achat, c'est plus compliqué d'aller les rechercher, c'est des plus petits volumes, mais ça, c'est le premier point. Le deuxième point, quand on a mis en place ces stratégies-là, on s'est dit, bon, ben, on va aller chercher des micro-audiences, on va fine-tuner campagne par campagne les audiences ou autres, et on avait un rapport effort-valeur qui était pas optimal, et on avait du mal à mesurer l'impact de ce qu'on faisait sur ces audiences-là, campagne par campagne, trop petit volume haute. Donc on a testé, on s'est planté, c'est pas grave, ça fait partie du job. Et on a repris une stratégie où on adresse nos audiences clients basées sur tout ce qui est segmentation RFM, donc là plutôt des segmentations aussi CRM, des scores qu'on utilisait initialement que en CRM, qui sont les mêmes de campagne en campagne. Ce qui, nous permet, déjà d'avoir un rapport effort-valeur meilleur, et puis aussi de mesurer dans le temps tel score, telle audience sur différentes campagnes. Troisième point, s'assurer que les audiences sont bien imperméables les unes aux autres. Malheureusement, on n'a pas toujours, voire même jamais, avec nos amis les plateformes, on ne sait pas exactement qui est exposé, donc si on ne fait pas des exclusions d'audience entre une audience VIP et une audience active non VIP, en fait, on n'a pas vraiment d'enseignement. Et le dernier point, et c'est ce qu'on fait maintenant, on a des audiences qui sont ISO entre ce qu'on fait en CRM et en média. Et après, on fait appel aussi soit aux outils de mesure, soit à la connaissance client pour nous dire, si je veux aller chercher les nouveaux emménagers ou autres, tout ce que j'ai fait d'un point de vue CRM, média, autre, qu'est-ce que ça a donné ? Donc, si on n'a pas des audiences qui sont ISO, en fait, on n'a pas de mesure. Donc, en fait, c'est très concret, très opérationnel aussi, ce que tu décris, oui. C'est du quotidien. Pour autant, ça répond à une stratégie qui, dès l'organisation, est autour de l'expérience du client, du consommateur, même, j'ai envie de dire, en média, toujours orienté sur ces trois objectifs que sont l'attractivité, tu le disais, la vue de la personnalisation et l'omnicanalité. Tu en as beaucoup parlé en filigrane dans tout ce que tu dis. On sent que c'est aussi piloté par la mesure opérationnelle dans le temps des campagnes, mais aussi sans doute une mesure plus stratégique, transversale de l'ensemble des leviers. Je sais que vous êtes aussi très avancé là-dessus, très end-to-end dans votre approche de mesure. Est-ce que tu peux nous en dire plus, justement? Ouais. Alors, sur la partie mesure, on a... On a tâché de raisonner toujours omnicanalité. Donc sur la partie CRM, historiquement, c'est assez simple. On est sur des indicateurs de CA, de CA par client animé. Et donc on a quand même une grosse part de notre chiffre qui est identifié, de part aussi notre programme de feed. Donc on arrive bien à avoir l'omnicanalité sur la partie CRM. Le deuxième point sur la partie média, c'est là où c'était un petit peu plus compliqué. On travaille avec beaucoup d'outils de chez Google et notamment notre ad server dans lequel on a réussi à intégrer nos ventes clients identifiées et matchées sur le site, ce qui nous permet aussi d'avoir une vision omnicanale de nos investissements digitaux. Donc une fois qu'on a dit ça, c'est bien, donc ça nous permet d'avoir une mesure omnicanale. Ça nous permet aussi de faire tourner les algos, non pas sur des sujets, des perfs uniquement e-commerce, mais aussi des perfs magasins. Et ça permet aussi de redonner beaucoup de valeur, ou au moins plus de valeur, à des leviers haut de funnel qui peuvent, dans des logiques très ROI, très perf ou haute, être très vite chintés, entre guillemets. Donc voilà, l'apport d'une vision omnicanale, par exemple, sur tout ce qui est display au social, ça multiplie par 5 la rentabilité de nos investissements. Donc ça, c'est assez important. C'est clé aussi, j'en ai pas parlé, mais c'est important de le dire, on n'oppose pas marque et business,
Je sais qu'on en avait parlé ensemble. Une autre fois, on n'oppose pas marque et business. Pour nous, pour moi personnellement, la marque sert le business sert la marque, pardon. La marque est un de nos gros actifs du business aussi. Donc, on se doit aussi de considérer ces leviers plus de funnel, qu'ils soient on ou off. Donc là, vous aurez compris, c'est quand même assez siloté encore. Et puis, voilà, on est quand même tous challengés sur tout ce qui est mesure, que ça soit les wall garden, que ça soit la privacy, que ça soit la réconciliation on et off. Donc on est réentré dans depuis maintenant un an dans des sujets de mesure de MMM. Pas en one shot, mais vraiment avec une plateforme qu'on a développée avec un partenaire pour justement avoir ces éléments au moins avec des leviers activables ou autres et qui mettent tous les leviers qu'il y a dans la direction au même niveau. Donc aujourd'hui, le CRM est un levier du MMM, comme peut être le social, le search, la télé ou la promo. Donc voilà. Donc c'est costaud d'un point de vue tech ou autre. Mais bon, ça nous permet du coup d'avoir la picture globale. Et donc là-dessus, ce que je peux vous partager en insight, c'est qu'aujourd'hui, tout ce qui est marketing, donc CRM, médias et promo chez Leroy Merlin, ça pèse d'un point de vue contribution au chiffre à peu près à 20% du chiffre omnicanal. Donc ça on le partage avec nos agences en interne ou autre pour aussi aller plus loin sur tout ce qui est mesure. Et vous donnez la direction pour les optimisations, j'imagine, justement entre leviers et en fonction des objectifs que vous adressez. Exactement, c'est le but au départ d'avoir quelque chose d'activable. C'est pas simple d'aligner en interne tout le monde sur différents objectifs ou autres. Déjà, avoir le chiffre de la contribution permet aussi de redonner de la valeur à ce qu'on fait et de se dire que le média ou le CRM, c'est une des parties du business, mais ça ne joue pas à 100% évidemment sur le chiffre ou du recrutement client, quoi. On est une des composantes parmi d'autres. Et on dit souvent, on échangeait avec d'autres speakers, que le MMM en lui-même est un vecteur d'organisation, un vecteur de collectif autour d'une méthodologie qui réunit vraiment tout le monde au sein d'un même projet, déjà en soi. Mais vous, votre organisation était déjà adaptée à la mise en place du MMM pour le coup. Ouais, en fait, ouais, ça a aidé aussi à renforcer et pour refaire le lien aussi avec la marque. On a cette chance chez Leroy Merlin d'avoir une marque forte, donc d'avoir aussi une baseline de business qui est forte, un trafic naturel sur le site qui est forte. Donc il faut pas le perdre, quoi. Donc, il faut aussi continuer à travailler dans nos dispositifs, la marque aussi bien que le business, quoi. Et avoir une question de curseur. Merci beaucoup. J'imagine que ça a résonné avec beaucoup de réflexions chez vous dans la salle et en ligne. Et voilà, nous, on a préparé cet échange évidemment, et en effet, vous êtes très avancé chez Leroy Merlin, même si, comme tu le disais, on a toujours à apprendre, et vous êtes passé aussi par des phases. Il faut rater parfois pour mieux comprendre ce qui fonctionne et comment ça fonctionne. C'est quoi les perspectives, le next step pour vous dans... Alors, on a trois points en next step. Le premier, c'est de continuer aussi. Dans la foulée de ce qu'on a fait, on va aller plus loin sur le MMM, on va aller plus loin aussi sur la vision client pour aussi ajouter d'autres touchpoints qu'on n'a pas aujourd'hui. Donc le push-up, sur lequel on fait des choses, mais qui sont à date pas encore aussi ciblées que ce qu'on peut faire en email, etc., en SMS ou autre, ou en média. Adresser donc des nouveaux touchpoints, il y a tout ce qui est évidemment, je pense que. Là où nous sommes ce matin, vous avez bien avancé sur le sujet, tout ce qui est médias, offline, adressés, téléconnectés, etc., qui chamboule aussi un peu, pas mal les métiers du off, et qui légitime encore plus une convergence des médias, parce que si la télé est achetée un jour, et c'est déjà le cas, en dématérialisé ou en programmatique, tout ça ne peut plus vivre l'un sans l'autre. Deuxième point, c'est de voir aussi comment l'IA peut nous aider d'un point de vue efficience opérationnelle. Donc voilà, comment enrichir nos flux produits avec de l'IA, comment améliorer nos ciblages grâce à l'IA. Donc ça, c'est des choses qu'on creuse. Et puis le dernier point,
c'est vraiment un mindset d'enseigne et de groupe, de voir aussi ce qu'on peut faire d'un point de vue RSE dans nos métiers. Donc on a pas mal d'initiatives déjà lancées ou autres, mais pas encore assez en fil rouge. On travaille pas mal là-dessus, de se dire bon voilà, quand on fait du programmatique, est-ce qu'on peut aller chercher des whitelists de sites qui sont plutôt low carbone? Quand on fait et qu'on crée des emails, ben, on va faire attention. Alors ça peut être à double tranchant, parce que plus de perso dit plus de contenu. Mais bon, si c'est plus de contenu, ben, faire attention que, je sais pas, que le poids soit assez raisonnable. On a passé toute une partie de nos emails aussi sur des couleurs accessibles aussi. Donc ça, on va essayer d'aller plus loin. Mais ce qui est peut-être moins tangible et moins visible qu'une offre produit RSE ou autre, quoi. Et tout aussi important. Et tout aussi important, exactement. Merci beaucoup, Paul Amaury. Merci, Laurent. La tradition, c'est, si tu en es d'accord, c'est qu'on puisse te poser quelques questions supplémentaires en plus des miennes. Donc, si dans la salle, cette keynote d'ouverture a suscité quelques questions, c'est le moment. Je pense qu'un micro va circuler avec beaucoup d'agilité. N'hésitez pas. C'était très clair. Mais on a une question. Agile, le micro. Merci. D'accord. Je me lève. Julia, je travaille aux Galeries Lafayette et j'ai une question sur... vous parlez beaucoup d'omnicanalité, mais pour pouvoir un peu se comparer, votre part de clients omnicanaux chez vous, chez Leroy Merlin, c'est combien à peu près? Ce que je peux te dire, ou ce que je peux vous dire, c'est que la valeur d'un client omnicanal, et je ne donnerai pas le chiffre ici, ouais, et au moins... bien, bien supérieur à un client qui est que magasin ou un client qui est que e-commerce. Okay. Voilà. Et deuxième question, quand vous avez dit que vous étiez déjà organisé pour pouvoir faire une organisation sur le MMM, ça veut dire quoi? Le fait que vous soyez déjà organisé en amont, qu'est-ce qui fait dans votre organisation que vous avez pu le faire assez facilement? Alors, je dirais pas facilement, mais plus rapidement. En fait, le nerf de la guerre pour les sujets MMM, qu'on avait pu mener en interne avant, ou moi, dans des expériences différentes et passées, c'est la récolte de la data. Donc on a, sur le digital par exemple, comme on avait internalisé beaucoup d'outils de bidding ou autres en direct sans nos agences autres, nos agences opèrent sur nos contrats, en gros. Du coup, on avait déjà stocké toute la donnée sur des tables GCP, etc. Donc en fait, il y avait 90% de la donnée de dispo en digital qui était là. Nos tickets de caisse étaient hébergés, enfin voilà. Donc du coup, ça a été assez vite. Donc on n'a pas dû aller faire de la récolte de données à droite à gauche dans la boîte. Tout était au même endroit, quoi. Après, le fait de faire un MMM, souvent les MMM sont très orientés médias ou voire que médias. On a pris un partenaire qui n'est pas une agence ou autre, qui n'a pas spécialement d'intérêt entre médias, CRM ou autre. Donc très vite, on est arrivé sur une construction d'un MMM qui mixe médias, CRM et promo. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Eh bien, on avance. Mais un grand merci, Paul Amaury, pour ton intervention. Merci pour l'invitation. Très intéressant. Merci. Alors, comme le disait Nicolas en introduction, on a le plaisir d'accueillir Yann Legrand. Yann est DGA de notre pôle plateforme Data et Analytics. Et Yann, tu vas nous parler de gouvernance et d'organisation. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Sylvain. Laura a oublié de me présenter. Yann, donc, je suis ravi que tu nous partages un peu tes expériences, en tout cas ton expérience ce matin, par rapport à toutes les missions que tu as pu mener. Paul Amaury en a parlé, c'est un peu le fil rouge de la journée, mais quand même un des accélérateurs pour pouvoir mener ce type à la fois de transformation d'organisation, c'est toute la partie socle de données, écosystème autour de la donnée, ingestion, mise en qualité, mise à disposition, et pouvoir supplanter ou en tout cas supporter tout ça. On parle souvent de gouvernance. Donc, par rapport au lien et enfin tout ce qu'a nous a raconté Paul Amaury sur la gouvernance des données, en quoi aujourd'hui, de tes retours d'expérience,
la gouvernance, elle va supporter toutes ces actions et les organisations. Alors j'ai écouté attentivement ce que Paul Amaury a évoqué, les enjeux de Leroy Merlin, les usages de Leroy Merlin, la personnalisation, la vision client, l'omnicanalité, sans parler des reporting, tous ces usages finalement de la data manipulent, créent même parfois beaucoup, beaucoup de données. Et donc quand j'ai préparé cette intervention, je me suis demandé finalement, quand on dit beaucoup de données, qu'est-ce que ça signifie? Donc du coup, je vais vous partager à l'écran quelques abacs, quelques éléments qui vont vous permettre de prendre conscience finalement de l'ampleur et de la dimension technique et data de ces projets data marketing. Donc aujourd'hui, quand on regarde un petit peu les plateformes qu'on gère ou qu'on opère pour le compte de nos clients sur la partie data marketing, globalement, on a entre 50 et 70 flux en entrée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire les flux e-commerce, les flux de référentiel produits clients, les éléments de caisse, évidemment, etc., etc. C'est entre 1500 et 2500 au bas mot, données unitaires. Donc, qu'est-ce qu'on entend par données unitaires? C'est à la fois le nom, le prénom, les consents, un email, etc., etc. Donc, on parle quand même de volumétrie extrêmement importante de données unitaires, parce qu'on est entre, et quand je dis 2500, c'est vraiment pour le coup les plafonds bas, on dirait, le plancher, pardon, de ce type de base de données. Et puis, c'est une dizaine, une quinzaine d'applications métiers qui vont venir consommer toutes ces données. Donc, vous comprenez bien qu'on est sur des périmètres qui sont extrêmement importants et qu'il est nécessaire de gouverner ces différents assets. Et puis, en miroir de ces éléments plutôt techniques et data, il y a évidemment les organisations qui, elles, créent les cas d'usage, qui mettent en œuvre les cas d'usage, que ce soit les équipes IT, les architectes, les devs, les ops, que ce soit les différentes équipes métiers qui interviennent sur la data, le marketing, le digital, le e-commerce, etc., etc., les équipes transverses, les RH, qui utilisent de plus en plus de données, les data office. Là aussi, une multiplicité d'intervenants. On parle très concrètement d'une dizaine, d'une centaine parfois de personnes qui au quotidien travaillent la donnée. Et donc si on mixe les complexités techniques et la diversité des intervenants pour agir sur cette donnée, on comprend bien qu'il va falloir gouverner, qu'il va falloir orchestrer et structurer les processus. Mais ce n'est pas simple, bien entendu, ce n'est pas simple. On a aujourd'hui encore beaucoup de pain points dans les entreprises, que ce soit le premier d'entre eux, bien entendu, c'est le langage. Il faut qu'on parle de la même chose. On a encore trop souvent dans les équipes des gens qui soit utilisent deux définitions différentes pour parler de la même chose, ou pire, parlent avec un terme de choses complètement différentes. Donc là, c'est encore plus problématique. Le deuxième sujet, pain point qu'on peut rencontrer, c'est concrètement le rôle, le RACI, finalement, le rôle des uns et des autres sur la data. Qu'est-ce que j'ai le droit de faire? Qu'est-ce que j'ai pas le droit de faire? Qu'est-ce que je peux utiliser dans la data? Et ça, très souvent, on s'aperçoit que les rôles sont soit pas définis, soit mal compris, soit mal diffusés dans l'organisation, et ça, c'est clairement un pain point. Et puis, enfin, il y a les problématiques récurrentes de tout système d'information, qui sont les qualités des données, qui reste bien sûr un point important. Donc, sous-jacent à tout ça, on voit qu'il y a des divergences et des différences de maturité de données, qui sont de maturité d'entreprise, pardon, sur la data, qui sont quand même assez différentes. Alors, bien entendu, ça fait 10 ans qu'on parle de la gouvernance des données, c'est pas un sujet nouveau. En revanche, il y a aujourd'hui encore des poches très clairement d'optimisation sur cette gouvernance des données, soit parce que, et je voulais vous partager quelques chiffres là encore, sur le fait que bah, finalement la gouvernance n'est pas si déployée encore que ça dans les entreprises. Alors j'ai sorti une étude qui a été réalisée en 2021 par une start-up américaine sur les déploiements des gouvernances des données dans les entreprises, et on s'aperçoit que finalement il reste encore beaucoup, beaucoup de travail sur ce sujet. Et puis le deuxième point, évidemment, c'est les nouveaux usages, les usages médias, les usages d'intelligence artificielle générative notamment, qui vont là aussi étendre le périmètre de la gouvernance. Donc on parle complexité et qui doit s'opposer ou qui doit répondre, en tout cas on doit la résoudre par rapport à des enjeux de vélocité. Parce que absolument. Un des sujets qu'on a pu voir sur la partie gouvernance ces 10 dernières années, c'est de se dire j'ai investi massivement dans mes stacks technologiques, je dois répondre à des cas d'usage métier, je dois en même temps répondre à des usages et des enjeux réglementaires. Si on refait un peu et tout en ayant par rapport à la compétition cette vélocité qui est nécessaire pour pouvoir en tout cas toujours émerger ou dans les batailles catégorielles. Si on refait un peu un focus sur la partie fonction sales et marketing et médias bien sûr, en tout cas médias CRM,
comment opérationnellement et au quotidien, cette gouvernance opérationnelle, ça se traduit dans les gestes métiers, dans les processus d'une activité marketing avec un grand M. Donc on va regrouper dedans la connaissance client, le CRM et le média, bien sûr. Alors, la gouvernance, finalement, se met en œuvre d'un point de vue opérationnel aussi bien dans les métiers marketing que dans les autres métiers, finalement, un peu de la même façon. Et ce que je vais dire là s'appliquera à la fois aux équipes marketing, mais aussi à l'ensemble des équipes. D'abord, la définition un peu de la gouvernance. La gouvernance, c'est fixer un cadre commun, qui soit connu, qui soit partagé, qui soit compris, de la gestion des données. Ce cadre-là a un certain nombre de dimensions. Il y a une première dimension évidente qui est l'organisation de cette gouvernance. Et on a finalement trois grands modèles organisationnels. Le modèle full décentralisé, le centre d'excellence et le modèle hybride. Alors si je prends une minute sur chacun des modèles, le modèle très décentralisé a la qualité évidemment de sa décentralisation, c'est-à-dire que c'est un modèle qui est très réactif, où très vite on peut agir sur la donnée. En revanche, la conséquence, c'est qu'on silote. Tout à l'heure, Paul Amory parlait encore de quelques silos chez Leroy Merlin. Et bien évidemment, quand on a une organisation très décentralisée de la data, et bien on va rencontrer des problématiques de silos, de non-partage d'expérience, et objectivement, ce n'est pas un modèle qui est le plus efficient par rapport aux trois qui sont présentés ici. Le deuxième, c'est un peu l'opposé, c'est-à-dire tout centraliser avec l'avantage de massifier, d'industrialiser, de standardiser à la fois les pratiques et le delivery. Mais en revanche, la contrepartie de ça, c'est évidemment le risque de goulot d'étranglement. Et un deuxième risque peut-être, qu'on évoque peut-être un peu moins dans ces modèles très centralisés, qui est la capacité de ce modèle à servir même les petites équipes ou les petites marques quand on est dans des groupes multimarques. Et puis enfin, le modèle hybride sur lequel aujourd'hui on repose ce qu'on appelle le data mesh, qui est un modèle où effectivement on maintient une certaine gouvernance transversale, mais on va laisser une latitude plutôt très importante malgré tout aux équipes métiers pour ingérer, pour activer les données comme ils l'entendent. Donc ça, c'est le premier point, l'organisation. Avec l'organisation, il y a bien sûr les nouveaux rôles. Alors maintenant, ce n'est plus vraiment des nouveaux rôles. Tout le monde a en tête les data stewards, les data owners, etc. Mais ceci étant l'une des premières traductions de la gouvernance, ça va être d'identifier tous ces profils. Donc premièrement, première dimension de cette gouvernance, l'organisation et les RH. La deuxième dimension, c'est les instances de partage et de pilotage qui vont permettre de faire justement du partage d'expérience, du partage de use case, de définir des SLA de qualité de données, etc., de suivre les plans d'action pour l'amélioration des qualités de la qualité des données. Le troisième item, évidemment, c'est les outils communs, et en particulier les dictionnaires de données. C'est pour parler ce langage commun, encore faut-il avoir un dictionnaire commun qui va être à mettre en place dans les équipes marketing, mais dans toutes les équipes de façon transversale. Et puis un point sur lequel je vais prendre une minute, qui est toute la phase d'accompagnement au changement. Alors, je prends une minute parce que c'est vraisemblablement aujourd'hui dans les programmes de mise en œuvre de gouvernance des données l'élément qui est le moins bien adressé et très souvent très survolé. On a toujours tendance à parler de formation dans ce plan d'accompagnement au changement, à se limiter finalement à de la formation, quand en réalité, on parlait tout à l'heure de dizaines ou de centaines de personnes qui opèrent aujourd'hui au quotidien de la donnée. Quand on veut switcher vers une organisation data-centrique, c'est quand même finalement plus proche d'un programme de transfo que d'évolution à la marge d'une organisation. Et pour ceux qui gèrent des programmes de transfo, bien entendu qu'on va devoir former les gens, mais il y a un point qui est fondamental dans la réussite d'un plan de transformation, c'est de réussir à identifier et à traiter les résistances. Les résistances des différents niveaux. La résistance de niveau 1 où finalement je résiste au changement parce que j'ai juste besoin de comprendre, d'avoir un sens dans tout ce qui va être fait. Deuxième niveau finalement de résistance, ce changement-là, ce switch, va changer mon quotidien, va changer mes pratiques. Et ça, c'est aussi un élément de résistance de la part des équipes. Et puis le troisième point, c'est le plus dur à traiter habituellement, c'est le rejet du changement. C'est-à-dire que je ne veux pas entendre parler des changements, ça arrive dans les organisations, mais tout ça pour dire que la gouvernance, la mise en œuvre de la gouvernance va devoir adresser ces différents niveaux de résistance et que les outils qui sont à mettre à disposition et à déployer pour traiter ces résistances ne sont pas les mêmes en fonction des équipes, au niveau même des individus.
Et nous, ça fait donc une dizaine d'années qu'on fait de la gouvernance de données, et on intègre désormais systématiquement et de plus en plus fortement cette dimension accompagnement au changement global. Oui, bien sûr, on fait de la formation, de l'acculturation, et vous savez, on a un catalogue de formations en ce sens, mais c'est aussi comment on va réussir à adresser le thématique des résistances. Donc les équipes ont développé, et je voulais juste vous présenter quelques secondes, quelques assets qui vont permettre d'accélérer finalement cette levée des résistances. Donc c'est ce qu'on appelle le sprint d'alignement dans l'équipe. C'est, alors le pitch est plutôt vendeur, hein, c'est 2 jours pour gagner 6 mois. Donc c'est plutôt pas mal. L'idée, alors c'est basé sur une méthodologie qui a été développée par Google, qu'on s'est réappropriée, qu'on a retravaillée. Donc l'idée, c'est de rassembler l'ensemble des équipes pendant 2 jours, et puis d'appliquer la méthodologie qu'on s'est appropriée pour à la fois présenter, partager ses visions, travailler sur les plans d'action, lever une partie des résistances au moins de niveau 1, niveau 2, définir des prototypes et puis finalement faire valider tout ça par le sponsor qui sera un peu le garant de la mise en œuvre de tous ces éléments. Donc ça, c'est un élément, un parmi tant d'autres, mais qui va vraiment permettre l'accélération de la mise en œuvre de la gouvernance qui parfois vraiment prend beaucoup de temps dans les sujets d'alignement entre les différents métiers. Sans vouloir spoiler ta réponse de l'autre question, parce que comme tu as beaucoup préparé ton intervention, je ne vais pas te mettre mal à l'aise. Mais donc on s'est dit un challenge. Donc on s'est dit donc gouvernance, c'est un programme de transfo et ça du coup vient malgré tout un peu en top down. Hein, c'est-à-dire que aujourd'hui dans les plans stratégiques depuis peut-être une dizaine d'années. Poussé par le marché, les points de contact, les investissements, les moyens moteurs et cet alignement de dire on doit penser client. Donc quand on a regardé tous les plans de nos clients ou du marché qui dit voilà qui s'autoproclame data-centrique, se dire en même temps j'ai travaillé sur des investissements massifs dans mes stacks technologiques. De dire ce programme de transfo autour de la gouvernance de données doit être décliné dans l'ensemble de mon organisation. Mais si on descope, on prend un pas de recul. Quel est en fait finalement le meilleur moment ou quel est le déclencheur opérationnel pour se dire voilà, j'ai une vision stratégique qui est mise par un COMEX, j'ai investi massivement dans des stacks technologiques. Aujourd'hui, mon organisation doit shifter, doit bouger et je dois mettre en place cette gouvernance. Sachant que là, c'est là où. Là, je te mets un peu de complexité. Finalement, le rôle qui était incarné par la gouvernance était un peu les chief data officers qui, il y a 10 ans, quand on les a vus arriver, ou 10-15 ans, étaient quand même là essentiellement seulement pour travailler sur la qualité de données. Et après, on leur a fait porter cette notion de gouvernance et de faire influer. Et aujourd'hui, il y a une autre complexité qui apparaît, c'est qu'il y a dans les organisations un chief digital officer et un chief data officer. Donc, du coup, avec quelques problèmes de périmètre. Mais sur la partie un peu le trigger pour se dire voilà, la gouvernance doit être maintenant mise en place avec tous les programmes que tu as donné. Quels sont un peu les grands moments où les grands niveaux de maturité de l'organisation peut en tout cas mener à bien ces programmes de transfo? Alors, ce qu'on voit dans les sollicitations de nos clients quand on veut mettre une gouvernance en place, il y a finalement trois items ou trois thématiques principales. D'abord, une problématique d'efficience opérationnelle, qu'elle soit côté métier ou que ce soit côté IT d'ailleurs. Un deuxième élément qui est comment je vais améliorer, et Paul Amory en parlait un peu tout à l'heure, mon expérience client. Et puis le troisième point, tu en as parlé aussi, c'est la partie réglementaire. Et en ce sens, le RGPD nous a quand même beaucoup aidé à mettre en place et à shifter, à commencer en tout cas le shift vers une organisation de data driven. Mais en réalité, donc ça c'est les grandes thématiques, mais en réalité, toute occasion ou toute initiative sur la data est une opportunité pour lancer une réflexion sur la gouvernance des données. On souhaite changer sa plateforme de marketing automation. Ça peut être une occasion de réfléchir à la gouvernance des données qui vont venir alimenter finalement cette plateforme. Le changement d'une plateforme analytique, alors encore c'est d'autant plus vrai, va être une occasion de créer une initiative sur la gouvernance de la donnée. Donc ça peut être des grands projets de ce type-là. Enfin, des grands projets. En tout cas, ça peut être des réflexions de ce type-là.
Et puis après, il y a des cas beaucoup plus concrets. On peut commencer de façon beaucoup plus modeste par la mise en place de use case. Et de ce point de vue-là, les use case médias peuvent être assez intéressants. Je veux faire une campagne programmatique. Je veux aller intégrer les données de comportement et de navigation de mes clients dans mes scores. On en parlait tout à l'heure. Pour améliorer l'efficacité de mes campagnes, ça peut être très clairement sur ce petit scope-là une occasion de faire de la gouvernance des données, tout simplement parce que quand on va aller, par exemple, récupérer les données qui sont issues de GA ou pour la navigation, il va falloir définir de quelles données on parle, qui en est le propriétaire, qui a le droit de l'utiliser, en quoi est-ce qu'on va les utiliser, ces données, dans quel cas d'usage, quelle est finalement la data de journée, comment ça va circuler ces nouvelles données dans le système d'information, et donc finalement on tire une problématique, une réflexion autour de la gouvernance des données. Donc objectivement, toute opportunité, toute initiative, toute réflexion qui embarque de la data peut être l'objet d'une réflexion de mise en œuvre de la gouvernance des données. Donc, en termes de séquencement et d'horizon temporel, on a eu la gouvernance pour répondre aux enjeux réglementaires et RGPD. De deux, on a eu ensuite la gouvernance plutôt pour répondre à des cas d'usage et des enjeux autour... On va quand même pas se mentir, c'était très analytique au sens data science, data analyse et CRM et pilotage. Et quand même aujourd'hui, depuis 2-3 ans, on voit que dans les pitchs ou même dans les cadrages de gouvernance ou dans les brainstorming de gouvernance, on voit s'intégrer des directions médias aujourd'hui. Avec alors une complexité qui est de se dire que finalement les données sont souvent extérieures ou opérées par d'autres. Donc c'est vrai qu'on rebondit sur Paul Amory et ses équipes et Laurent Malin qui très rapidement ont repris la patrimonialité de la donnée, même si elles étaient hébergées sur des plateformes. Et ça, c'est un peu la tendance que l'on voit et avec l'enjeu toujours de déployer des use cases. Donc c'était un peu ça l'horizon temporel qu'on voit sur le marché aujourd'hui. On a un niveau de maturité qui est plus ou moins sur le marché français ou même européen plutôt plus ou moins avancé suivant les industries. Mais si dans la salle de certaines personnes se disent je suis en pleine réflexion sur ce modèle de transfo ou ce modèle de gouvernance, quel est un peu comment on s'y prend pour avec tes retours d'expérience, c'est quoi un peu les bonnes pratiques, les bonnes recettes et comment on s'y prendrait pour lancer ce type de programme de transfo? Parce que s'il y a un mot à retenir là, c'est qu'on parle de gouvernance, mais qui est quand même avant tout un programme de transfo, un programme de transformation, et souvent de plus en plus préempté par les directions de la transfo. La stratégie de transfo, absolument. Les grands programmes de transfo qui réussissent, évidemment, ceux qui échouent, on va avoir un certain nombre de dimensions. La première chose, c'est la vision. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui porte cette vision, qui explique les raisons pour lesquelles on part du point A et on va vers le point B. Et cette notion de sponsorship, de leadership qui est fondamentale. Et oui, c'est un prérequis dans la réussite du programme de transfo. Deuxième élément, il faut que pour pouvoir embarquer les différentes équipes, il faut qu'elles sachent là où elles doivent aller et donc avoir une roadmap, avoir une démarche finalement qui soit partagée, comprise par tous. Troisième dimension du plan de transformation, ça va évidemment être tout ce qui concerne le pilotage, la communication autour de tout ça. Et puis le quatrième point fondamental, alors je vais beaucoup insister ce matin, j'en suis désolé sur ce point, mais c'est l'accompagnement au changement, comment on accompagne les équipes à shifter justement dans cette nouvelle organisation data-driven. Peut-être la différence par rapport aux autres programmes de transformation de la gouvernance des données, c'est peut-être deux mots rapidement. Premièrement, c'est qu'on l'a vu tout à l'heure, la gouvernance des données, ou en tout cas la data, c'est à la fois de l'IT, à la fois du métier. Et que donc, ce qui fonctionne bien, objectivement, dans tous les plans de transfo qu'on peut opérer sur la gouvernance des données, c'est ce binôme IT et métier. La mise en œuvre d'une gouvernance uniquement par un métier pourra fonctionner sur son périmètre, mais si finalement il n'y a pas cette dimension technologique, ça va être difficile de passer à l'échelle la gouvernance des données. Et puis la deuxième spécificité, comme je disais tout à l'heure, on peut démarrer la gouvernance finalement à tout moment et même par le plus petit des use cases. Et donc effectivement, c'est une démarche qui est très progressive, qui est itérative. En tout cas, la méthode que nous on applique, c'est une méthode très itérative, très progressive, qui permet aux gens de prendre conscience et de montrer des premières victoires assez rapidement. Et puis, du coup, de donner un peu un allant à cette démarche. Donc on a des choses un peu concrètes et opérationnelles, donc les binômes, la transversalité, le sponsorship. Mais bon, s'il y a deux, trois grandes difficultés
ce sur quoi on a, en tout cas, qu'on subit hein, tous les jours, en tout cas qu'on vit. Quelle serait-elle aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on a pu rencontrer? Et qu'est-ce qu'on rencontre en dénominateur commun? Alors, il y a un premier point, et je peux vous assurer que j'ai en tête un certain nombre de cas précis très très récents, qui est de finalement de comprendre ce que ça veut dire opérationnellement une organisation data-driven. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement, moi qui suis patron d'entreprise, finalement de devoir faire shifter mon équipe d'une organisation très orientée produit à une organisation très orientée client, et ça, s'approprier concrètement ce que ça veut dire, les nouveaux rôles qui sont pas forcément, je le disais tout à l'heure, les data owners, etc., comme si c'était une évidence, mais ça n'est pas encore une évidence pour tous, le rôle de chacun, ça nécessite effectivement beaucoup de temps et effectivement d'énergie pour faire comprendre, et de pédagogie pour faire comprendre ce que ça veut dire qu'une organisation data efficiente. Deuxième point, c'est un peu le corollaire de ce que je disais comme prérequis à un programme de transfo, c'est on s'aperçoit quand même qu'aujourd'hui, il y a encore dans un certain nombre d'entreprises un manque de sponsorship sur la data. Il y a des initiatives opérationnelles, mais objectivement, on a encore des entreprises dans lesquelles il n'y a pas un référent ou en tout cas un leader qui se sent investi par la thématique de la data. Et du coup, oui, comme je le disais, on va pouvoir démarrer la gouvernance, mais ça va être très difficile de la déployer au niveau de l'entreprise. Et puis le troisième point, qui est aussi, ça je pense que vous devez aussi au quotidien le vivre, vous, dans vos entreprises, c'est parfois les désalignements entre les métiers, les tensions qui peuvent exister, les guerres de paroisse qui peuvent exister entre les métiers, entre eux, et puis même parfois entre les métiers et l'IT, qui effectivement sont objectivement des freins à la mise en œuvre de cette gouvernance qu'il va falloir traiter. Et puis, alors peut-être pour ne pas finir non plus sur une note trop négative, ce qui est quand même extrêmement positif dans cette démarche de gouvernance des données, c'est que, à ma connaissance, je dis bien ma connaissance, mais je n'ai jamais vu une entreprise qui a initié une gouvernance des données revenir en arrière. C'est-à-dire que dans 100% des cas, je ne sais pas si c'est le seul programme de transfo qui soit dans cette situation, mais en tout cas, dans 100% des cas, on a une entreprise qui a plutôt accéléré sur la gouvernance des données plutôt que de faire machine arrière. Et ça, c'est quand même plutôt un bon indicateur de la pertinence de la démarche dans les entreprises aujourd'hui. Donc, merci beaucoup Yann. Donc, si on essaie de synthétiser les points clés, c'est accepter qu'on soit sur un temps long, parce que qui dit quand même programme de transfo dit investissement à mettre et pas forcément des ROI immédiat. Commencer toujours par une approche cas d'usage métier ou technico-fonctionnel. Deux, trois, un sponsorship important des directions au sens large et une notion également faire évoluer à la fois les compétences par de la formation et du onboarding. C'est un peu les quatre grands points de factorisation remarquables. C'était pas préparé du tout. Non. Donc on est donc merci pour ce retour d'expérience. Comme souvent, est-ce que dans la salle il y aurait des questions pour que Yann puisse vous répondre avec grand plaisir. Ou à distance, pas de questions. Ou à distance. Ouais. C'était très clair. Je ne sais pas. On l'espère. Bon, écoutez. Alors, je suis à votre disposition, en tout cas. Ouais. Voilà, donc il y a un petit sondage avant les questions, s'il n'y a pas d'autres questions, qu'on a posé pendant la présentation de l'intervention de Yann. Si on peut me l'afficher. On a décidé aujourd'hui donc, de me mettre dans l'embarras. C'est pas là ? Ah, il y a une question en ligne. Merci. Okay. Faut me l'afficher aussi, par contre. Oui, on veut bien. Je vais pas la faire, celle-là. Non. Bon. J'ai WhatsApp, si vous voulez. Enfin, tous les moyens de contact possibles. Quelqu'un peut la lire, peut-être. Ah, voilà. Par contre, il va falloir peut-être la mettre un peu plus haut. Ah, c'est bon. C'est bon. Alors. Non. Non, non, non. Alors, ça, c'est le sondage. Aidez-nous. On se fixe sur un objectif. Dans le cadre de la data gouvernance, comment intégrer l'IA générative?
ça. Okay. Donc c'est une nouvelle source de données d'exploitation des données exponentielles. Est-ce un risque ou un outil supplémentaire pour mieux qualifier les données? Alors, l'IA générative, l'IA générative, c'est finalement une extension de l'IA qu'on est déjà aujourd'hui en matière de gouvernance capable d'opérer. Donc oui, bien entendu, ça élargit de façon, comme je le disais tout à l'heure, de façon très significative l'usage des données, mais en réalité, ça n'est pas un usage très différent de ce qu'on peut connaître aujourd'hui. Donc il n'y a pas de difficulté particulière à intégrer l'IA générative dans la gouvernance des données. C'est potentiellement effectivement une nouvelle source de données et d'exploitation de données exponentielles. Un risque, oui, on vit depuis des années et des années sur l'extension exponentielle des données de toute façon. Donc j'allais presque dire que maintenant on commence à avoir l'habitude d'avoir à gérer ces volumétries astronomiques de données. Après, comme je le disais, la gouvernance ne peut pas non plus tout gouverner forcément dans les entreprises. Et donc il faut qu'on soit un peu pragmatique. Donc de ce point de vue-là, je ne suis pas sûr que la gouvernance ait vocation à aller gouverner les données exponentielles dont on parle dans cette question. Et là où un outil supplémentaire pour mieux qualifier les données, oui, alors j'avoue que je n'ai pas forcément la réponse à cette question, un outil supplémentaire pour mieux qualifier, oui, peut-être que ça nous permettra d'améliorer de ce point de vue-là. Mais pour moi, c'est surtout une extension de cas d'usage qui existe et que effectivement on devra intégrer dans le cadre de la gouvernance, mais je ne sais pas si c'est rien de plus, mais voilà. Ouais, tout dans nos process, on les utilise quand même pour maximiser l'efficience opérationnelle, ouais. À la fin de la journée. Ok, bah merci, un grand merci. Est-ce qu'on met le sondage ou pas? Ou sinon, on fait la table ronde et on va appeler avec grand plaisir. Donc, merci Yann. Merci à vous. Donc j'accueille avec grand plaisir Caroline Cizare, qui est Head of Digital Experience chez Danone, Thomas Cook sur la partie CEO VP Ads, et enfin Hélène, qui est chez Publicis Media et qui est VP Client Lead. Hélène Medrad. On verra le sondage un tout petit peu plus tard. Okay. C'est pas grave. Merci beaucoup à Paul et à Maury et à Yann pour ces deux interventions. On voit bien qu'on va pouvoir continuer ce retour d'expérience avec Caroline, avec Thomas et avec Hélène. Merci à vous trois d'être avec nous aujourd'hui. Comme on a beaucoup parlé finalement d'organisation, en parlant de gouvernance aussi, on va rester sur ce sujet-là encore un tout petit peu si vous en êtes d'accord. Diriez-vous, et c'est dommage parce que le sondage allait nous amener quelques éléments, mais diriez-vous que vos organisations aujourd'hui sont en effet prêtes aussi et adaptées à un usage de la data qui soit optimal en médias comme en CRM? Et on va commencer par Caroline, si tu es d'accord. Ça fonctionne, parfait. Bonjour à tous, déjà, ravie d'être avec vous ce matin. Alors, pour répondre à cette question, je vais vous dire que c'est work in progress. Voilà, déjà, c'est un premier point. Ça fait quelques années maintenant, effectivement, que chez Danone, on s'est organisé pour réunir le média et le CRM, plus globalement, mettre la data au cœur de nos réflexions marketing. On l'a fait avec une mécanique un peu basique, entre guillemets. On a réuni les équipes, déjà. Donc, on venait d'un peu de loin, il faut être honnête. On a réuni les équipes, médias, shoppers, et je vais venir sur la partie shoppers parce que c'est important aussi pour nous, et digital. Au sein d'une équipe dont je passe le nom parce qu'il n'a pas beaucoup d'intérêt, il est un peu compliqué. Mais l'idée, effectivement, derrière la construction de cette équipe, c'est bien d'avoir une seule réflexion unique, full funnel, conso-centrique. Donc on a mis, je pense, un peu de temps à s'organiser aussi comme ça, car... il y a quelques années encore, on était vraiment en silo intra-catégorie. C'est-à-dire que chez Danone, aujourd'hui, on a trois catégories. On a Waters, Dairy et la partie nutrition spécialisée. Et donc, jusqu'il y a encore quelques années, on travaillait vraiment en silo à la catégorie. Assez rapidement, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup d'opportunités qu'on ratait à travailler comme ça.
Bien évidemment, sur la partie capabilities, mais ça, c'est basique. C'est quand plus on est nombreux à utiliser des systèmes, mieux c'est. Mais surtout d'un point de vue conso, où en fait, on ratait les opportunités de connexion et d'interaction sur des consos communs entre nos catégories. Et en fait, l'émergence de l'idée de l'organisation vient de là. Comment est-ce qu'on arrive à travailler dans une meilleure intelligence de connexion avec nos clients? Pourquoi je voulais parler tout à l'heure de la partie shopper aussi, c'est que la partie shopper, elle est essentielle pour nous. Aujourd'hui, 95% de nos produits sont vendus en magasin physique, chez nos supermarchés, hypermarchés, vous les connaissez tous. Et nous, on a un petit problème quand même, hein, full funnel. C'est pas vraiment un full funnel, pour être honnête, parce qu'on perd quelque part nos consos quand ils arrivent un peu dans le magasin physique. On les récupère après en acte d'achat. Du reste, c'est notre problème de fond, hein, d'un point de vue data. C'est comment je réconcilie ce que je mets en médias et en force, en tous les cas, voilà, de recrutement en amont, et comment j'arrive à le comptabiliser à la fin, et comment j'arrive à récupérer ma data business, en fait, hein, achat de Mary Taylor. Et aujourd'hui, ben, on a pas mal de scénarios, pas mal de use cases pour nous permettre de le faire, et c'est pas complètement optimal. C'est aussi pour ça que c'est un peu plus lent aussi, nous, en termes de mise en place et de mise en œuvre. Mais l'idée est là, le mindset est là, il faut simplement faire bouger les organisations. Et comme le disait Yann tout à l'heure, vous avez pris conscience du temps long qui est nécessaire. Oui, absolument, le temps long, oui. Et j'aime bien l'idée d'interaction qui se transforme en réconciliation, presque, ouais, en ce qui exactement. Concerne. En ce qui concerne exactement. Et l'idée aussi pour nous, c'est que cette data finale, quelque part, d'achat, elle est essentielle, parce qu'en fait, c'est ce qui va nous permettre d'être beaucoup plus précis dans la manière de les engager. Aujourd'hui, il faut être honnête, hein, on a encore... pas très loin de 80% de notre média qui dit offline, hein, on fait de la télé, beaucoup de télé, peut-être beaucoup trop de télé, je ne sais pas. Principalement quand même sur nos catégories dairy et water, c'est vrai. Sur la partie nutrition spécialisée, le modèle en fait, d'activation et le modèle d'engagement est radicalement différent. Et là, on a vraiment inversé la tendance, on fait pratiquement que du digital voilà, et beaucoup de DOL. Et parce qu'on a aussi une cible sur cette catégorie qui... consomme pas du tout les médias de la même manière. Et donc, voilà, on a une capacité d'adaptation sur cette catégorie qui est un peu différente. Voilà. Merci beaucoup. Alors, je me tourne vers Thomas, chez Vipi. Bonjour, Thomas. Bonjour. Chez Vipi, forcément, on va prendre la question sous un angle un peu différent. On est dans l'interaction CRM et médias, mais chez Vipi, vous avez un fondateur qui est connu pour avoir souvent dit, et je crois fait, qu'il n'était pas nécessaire pour Vipi. En tout cas, ce n'était pas un choix stratégique pour Vipi d'investir en médias. Et qu'on privilégie une relation directe avec ses clients. Ça, évidemment, ça nous interpelle. Qu'est-ce que tu peux nous dire de ce modèle-là? Qu'est-ce que ça veut dire pour VP et pour VPAD après? C'est effectivement une situation un petit peu atypique aujourd'hui d'avoir un modèle économique qui est basé sur une indépendance par rapport à la question d'acquisition et par rapport aux médias. C'est presque un accident, parce que l'histoire de VP, c'est d'être une boîte data-centrique par essence à la naissance, il y a 20 ans, avec un modèle monocanal qui impose aux consommateurs de se loguer pour avoir accès à l'offre. Donc on est déjà dans un truc un peu, un peu particulier, précurseur sous certains aspects, mais c'est vrai que c'est la découverte aussi d'un trafic totalement naturel, incarné par la volonté qu'ont les consommateurs à découvrir une offre. Et donc, du coup, on découvre après que ce trafic-là a une valeur bien plus importante qu'un trafic qu'on pourrait acquérir par le biais du média. Et ce qui a été, entre guillemets, cet accident heureux lié à la singularité du modèle est devenu, après, une vision, une manière de piloter sa société. Et je crois que c'est aujourd'hui une philosophie qui a ses avantages, aussi des inconvénients à certains moments, en fonction des conjonctures, mais qui nous permet, d'un point de vue audience, d'un point de vue relation avec les marques aussi, d'avoir une certaine singularité et de pouvoir surfer dessus dans la structuration de nos offres et dans la relation avec les marques. Et ça marche parce que c'est très très volumique. Vous avez une base de données du coup énorme. Je défends un peu mon bout de gras quand même. Ouais, cette indépendance du média, elle est possible parce que vous avez un volume exceptionnel. Et c'est vrai que c'est une force dingue et une grande chance. Elle est possible, c'est une question de time to market. C'est-à-dire que VP se lance il y a 20 ans, à un moment donné où l'accès au e-commerce n'est pas celui qu'on
aujourd'hui, il n'y a pas de concurrence. Et donc, il y a un effet boule de neige. Et après, il y a une relation qui s'est créée avec la marque, une confiance, une singularité qui fait que c'est possible aujourd'hui. Faire un tel produit dans l'écosystème actuel serait extrêmement compliqué. Et pour autant, nous-mêmes, on est obligé d'évoluer parce qu'on parlait de gouvernance de la data. La gouvernance de la data, pour nous, est un sujet qu'on aborde avec beaucoup d'humilité parce que le monde change beaucoup. On a été percuté de plein fouet par aussi les problématiques de régulation d'accès à la data. Je pense que la vision est essentielle dans notre secteur, à savoir anticiper comment la régulation de la data va évoluer. Vous avez vu comme moi les annonces qui ont été faites de la part de Meta il y a 48 heures sur une ouverture à un modèle payant. C'est ni plus ni moins que la réponse, je pense, qui va devenir la plus structurelle aujourd'hui pour l'ensemble des acteurs, de pouvoir reprendre la main sur le consentement. Parce que, enfin, bon, c'est une digression, mais bref. Mais en tout cas, pour revenir au sujet, oui, aujourd'hui, ça nous paraît très impossible. Et oui, aujourd'hui, on évolue. Avant, on était un site de vente événementielle, donc avec un modèle extrêmement adapté à cette entrée par login. On s'est ouvert à la notion de marketplace. S'ouvrir à la notion de marketplace, c'est passer d'un modèle de l'offre à un modèle à la demande. Hein, avant, nous, on faisait uniquement créer de l'offre. Donc, les gens venaient chez nous naturellement. Et là, aujourd'hui, avec la marketplace, forcément, on répond à une demande. On répond aux gens qui veulent une télé bien précise. Donc, à partir de ce moment-là, on est obligé, par exemple, de s'indexer dans Google. S'indexer dans Google sur cette partie-là, c'est le début d'une stratégie média. Et c'est le début d'une inflexion de cette vision. Mais on s'adapte. Voilà. Mais je ne remets pas en cause le média. Non, bien sûr. Bien et pour la gouvernance, on peut vous aider. Hein. J'avais pas mal de questions. Oui, mais il y a un petit cas. Eh bien, passons à Publicis Media, justement. Voilà, alors, je vais quand même faire un petit rebond, parce que pour VP ne fait pas média, pour autant VP Ad, Thomas, que oui, tu représentes en particulier, propose du média, et c'est ça. Et du retail média en particulier, évidemment. On propose du retail média, super à la mode, mais c'est vrai qu'on y croit beaucoup. Pareil, dans le retail média, on est assez atypique, parce que 95% du marché du retail média aujourd'hui, c'est du sponsored product, incarné par un de nos concurrents favoris. Et nous, là-dedans, bah, en fait, on vend ce que l'on a. Notre asset, c'est quoi ? C'est des gens qui viennent naturellement. Donc, en fait, la grande différence qu'on a par rapport aux autres acteurs, c'est qu'on vend un trafic ultra quali. Paradoxalement, ultra qualifié aussi, mais avec semi-intentionniste, parce qu'ils viennent chez nous pour découvrir des produits. Donc, ça a une valeur extrêmement forte pour les marques, parce qu'elles ont la garantie absolue que quand elles vont être exposées chez VP, elles sont dans un environnement extrêmement positif, avec une brand safety absolue, parce que les gens viennent naturellement pour consommer, pour passer un moment dédié avec les marques et avec VP. Et donc voilà, donc on a développé un ensemble de produits on-site et historiquement aussi off-site, parce qu'on croit aux médias. Et donc on propose à nos marques d'étendre l'expérience on-site avec une stratégie off-site très sur le branding, parce qu'on a une data loguée qui est très intéressante pour pouvoir faire l'extension d'audience. Bon, ayant comme vision également que structurellement, le marché du retail média est pénurique sur la partie on-site. La réalité, c'est qu'on a la certitude que, enfin, c'est factuel, que ce sont des toutes petites audiences et qu'on a la chance d'avoir les meilleures audiences, les plus qualifiées, celles qui ont le plus de valeur, mais en fait, qu'in fine, il n'y en aura pas pour tout le monde, donc l'extension est essentielle. Alors cette vague du retail média hein, qui est si puissante et dont on dit d'ailleurs que c'est la troisième vague du digital après le search et le mobile et le social, pardon. Hélène, et d'ailleurs dont la promesse, pardon, parce que finalement la question c'est ça, hein, la promesse du retail média c'est aussi d'être en capacité de délivrer une expérience full funnel, en tout cas des contacts full funnel en média grâce à ce retail média. On retourne sur le sujet de l'organisation, comment vous organisez chez Publicis Media pour offrir cette expérience full funnel en média à vos clients? Alors déjà, on essaie de maîtriser l'intégralité des leviers nécessaires. Donc en retail média, qui est effectivement visiblement la troisième vague, ça semble bien parti pour. On a une équipe qui s'est montée au sein de Publicis Commerce, d'une trentaine de collaborateurs, à la fois en consulting et en buying. Et la partie consulting, c'est important parce que c'est le pont et c'est qui permet de répondre à ta question, comment est-ce qu'on s'organise en full funnel. Le point de départ de tout ça, de toute façon, c'est nécessairement le consommateur, le client.
Enfin, c'est toujours le point de départ. Ça fait quelques années maintenant que même dans les médias, on ne part plus uniquement des leviers. On part des audiences, et même avant même les audiences, on part des gens. Et donc de la connaissance qu'on saut. Donc c'est vrai que, à votre exception, en général, les bases One Piece sont certes très qualifiées, très intéressantes, mais plus faibles en volume. Nécessairement, en revanche, elles sont super riches de qualifications. Et ça permet, voilà, c'est le début de l'histoire en fait. Ça permet de nourrir toutes les réflexions et toutes les stratégies. Et puis ensuite, on raisonne alors en consumer de journée, qui n'est pas un terme spécifiquement média, mais en parcours conso, parce que finalement, les gens, je crois que c'est vous qui, tout à l'heure, Paul Amory, qui disiez ça, ils ne savent pas si c'est du pain, du own, du earn, est-ce que c'est du CRM, est-ce que c'est du média, est-ce qu'ils ont un point de contact avec la marque et point. Et c'est ça, du coup, qui est important. Donc, on construit sur la base de la connaissance client, des audiences, des parcours qui mixent à la fois CRM, médias, peu importe en tout cas, du coup, des points de contact de cet ordre. Donc, on est particulièrement staffé en consulting, en planning stratégique, qui part du consommateur, et du coup, avec évidemment des profils qui sont agiles et qui circulent au travers. Tout le monde n'est pas expert de tout, sinon au final, on est quand même expert de rien. Mais qui circulent dans ces différentes expertises, ces différentes verticales, pour opérer une approche full funnel. Avec, comme le disait Yann, des questions de vocabulaire, une consumer journey qui ressemble à un parcours consommateur, une connaissance client qu'on retrouve dans ce qui nourrit les insights d'un planning strat. Donc finalement, en effet. Alors regarde, et tu as même un micro. Ouais, c'est parfait. Juste, effectivement, moi, je suis complètement alignée sur pas de. En fait, le conso, il ne sait pas si c'est du CRM, du média, il n'en a aucune idée. En revanche, ce qui est important pour lui, c'est la consistency, c'est-à-dire l'idée que quand je démarre sur un message, je puisse être suivi par ce même message et que ce message aussi soit adapté à mon besoin au moment où je suis dans ma journée, dans ma vie, dans le moment de ma journée. Et je pense que c'est surtout sur ça qu'il faut travailler. Et toute l'organisation, les modes d'opération qu'on peut imaginer, ça doit être centré sur ça, c'est répondre aux besoins au moment où je suis avec le bon format et le bon message. Et après, effectivement, CRM, média ou pas, c'est pas tellement la question. Justement, par rapport à cette remarque, donc, comme chez... Là, du coup, tu l'as exposé tout à l'heure, de se dire l'approche full funnel, vous l'avez rendu opérable il y a quelques années maintenant. La récolte de la data first party propriétaire, c'est un programme que tu as mis en place. Alors, il y avait plusieurs services qui étaient mis en place pour récolter de la data et que tu as décidé d'accélérer il y a 4-5 ans, avec toujours ce lien que tu perds à un moment donné. Donc là aujourd'hui, de se dire, et donc tu parles aussi de Consumer Value Journey, donc de CVG pour Transcatégorie, Transmarque. Mais donc tu opères aujourd'hui quand même un portefeuille qui est quand même différent. C'est que tu as en effet, parce que tu ne l'as pas exposé au départ, mais donc tu es sur Water, Dairy, Produits Frais et Nutrition Infantile, qui sont quand même des cibles différentes, des besoins différents. Aujourd'hui, donc l'usage de la data propriétaire, tu l'opères par étape du funnel sur lequel tu croises une vision portefeuille. Comment tu arrives à mixer aujourd'hui ces deux grandes approches, pardon. Ouais. Donc effectivement, je ne l'ai pas précisé, mais c'est vrai que c'est assez récent, cette ouverture du portefeuille cross-catégorie. Donc c'est effectivement une valeur forte pour accélérer effectivement la pénétration de nos marques et la part de marché de nos marques. Mais d'un point de vue CRM pur, et donc récolte de la donnée first notamment, la question de fond qu'on s'est posée il y a quelques années, c'est quelles étaient les raisons en fait de donner sa data. C'est toujours pareil. Pourquoi est-ce que je donnerais une data, pour en faire quoi, c'est quoi l'équilibre entre je donne et je reçois. Donc là, il y a des vrais modèles différents, effectivement, et effectivement, nutrition spécialisée, donc un peu plus de détails sur nutrition spécialisée, c'est surtout tout ce qui est baby food et lait infantile. Hein, donc nous, pour nos marques françaises, c'est Blédina et Galia. Aujourd'hui, on a plusieurs raisons fondamentales de travailler la first sur cette catégorie. La première, elle est d'abord réglementaire.
On ne peut pas pousser de produits avant 6 mois de bébé. Donc, de toute façon, je ne peux pas parler de produits à mes mamans, à mes parents, avant le 6 mois de leur enfant. Donc déjà, ça, il faut que je le sache. C'est-à-dire qu'il faut déjà que j'ai la donnée et l'information de l'âge de bébé ou le futur âge de bébé. Donc ça, déjà, il faut que je le demande. Et puis, il faut que j'occupe le terrain, quelque part. Et je vais occuper le terrain avec des mécaniques de service dans lesquelles je ne vais bien évidemment pas parler de produits, mais je vais essayer d'accompagner au mieux tous mes parents dans ces étapes dans lesquelles on ne va pas rentrer aujourd'hui, mais qui peuvent être assez compliquées, un peu tendues, etc., etc. Donc effectivement, cette catégorie, naturellement, il y a 5 ans, on a accéléré en fait sur cette catégorie parce qu'il y avait un besoin, parce qu'il y avait cette fameuse Customer Value Journée qui était très très claire et qui est notamment très claire grâce à des moments de tension qu'on avait, grâce à pas mal d'études Insight qu'on avait fait, déterminer des moments vraiment de churn, quoi. Il y a beaucoup de moments problématiques. Il y a bien sûr la grossesse, il y a l'accouchement, mais il y a aussi les troubles digestifs de bébé. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont des marqueurs en fait assez importants d'un point de vue consommateur et qui nous permettent du coup de discuter, d'échanger et de créer de la valeur en fait autour de ces marques à ces moments clés. Donc ça, historiquement aussi, j'en parle plutôt bien parce qu'on était, dans l'équipe dont je fais partie, on était une équipe spécialisée, une nutrition spécialisée. Effectivement, il y a 2 ans, on a, entre guillemets, récupéré d'autres catégories où là, les mécaniques n'ont rien à voir. La customer value journée d'un mangeur de yaourt, je ne l'ai pas, en fait. Et je ne suis pas sûre qu'on en ait un, en fait. Parce que la manière de consommer le produit, la régularité avec laquelle je le fais, etc., etc., n'a absolument rien à voir. Donc, il faut trouver d'autres modèles d'attirance. Donc, on va passer plutôt d'un modèle relationnel avec nutrition spécialisée à un modèle plutôt transactionnel, il faut être honnête, sur les autres catégories. Et le jeu, entre guillemets, sur les 2 autres catégories, c'est de trouver le bon moment. Et le bon moment, on va nous le twister sur ce qu'on appelle nous les moments de consommation, c'est à quel moment, en fait, on va avoir le plus besoin voilà, d'avoir accès à une promo ou d'avoir accès à un bon de réduction sur un des produits. Et là, le média nous aide. Parce qu'en fait, la définition du moment de consommation, c'est important. Et il y a quelques années, il y a une petite année maintenant, on a démarré des études avec la fameuse, qui est importante pour nous, la data retailer, notamment Carrefour, où en fait, on a fait des études pour savoir quel était le panier moyen d'un acheteur d'Activia. Et qu'est-ce qu'on mettait d'autre, en fait, comme produit à l'intérieur du panier. Pour définir des signaux, en fait, travailler le signal, en fait, voilà, média. Et maintenant, on est capable de travailler des bassins d'audience sur la base de ces signaux de panier moyen et qui nous permet, du coup, de targeter de manière beaucoup plus précise aujourd'hui les communications. Donc, la data média, là, aujourd'hui, la seconde, hein, la data retail, elle nous aide aussi beaucoup à piloter la justesse, en fait, de l'exposition de la campagne. Donc, on est d'accord que là, du coup, tu as intégré la connaissance audience. Exactement. Fois dans la consumer value journée et dans l'ensemble des points de contact. Alors, je ne dis pas qu'on le fait de manière récurrente sur la totalité de nos campagnes. C'est vraiment des test and learn qu'on fait depuis une année. C'est une petite partie de l'invest média, bien évidemment, au vu de tout ce qu'on a à faire autour. Mais c'est vraiment des premiers tests et ça marche. Vraiment, les théories n'ont rien à voir. Donc, l'aboutissement vraiment ultime, c'est effectivement nutrition spécialisée. Parce que là, après, on a un problème de scales avec nutrition spécialisée. Surtout ce qui va arriver, il y a moins de naissances. On en perd chaque année depuis 10 ans. On continue. On a à peine 725 000 naissances par an maintenant. Et ça ne va pas aller en s'arrangeant. Donc, effectivement, on a un problème de scales et d'augmentation en fait, des use cases possibles de cette nature. Mais en revanche, on commence à le faire effectivement sur les autres catégories. Et on duplique nos audiences. Hein. Nos audiences CRM nous aident à dupliquer les audiences médias, en fait. Dans les cas d'usage que tu as exposé, tu en as parlé tout à l'heure, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as quand même une entrée catégorie avec une audience planning qui est en fonction des catégories. Ils ont débattu pas pareil sur le DRI, SN et en termes de part digitale et offline. Aujourd'hui, sur les cas d'usage et les initiatives, dans les usages de la data, tu pressens chez toi, chez Danone et sur le marché, une vraie convergence CRM média et CRM, ou encore des sujets de divergence dans les réflexions, dans les stratégies avec tes agences ou même en interne, notamment avec ton père qui est très média, donc très volume et peut-être moins valeur. Des vraies zones de convergence ou il y a encore des zones assez fortes de divergence dans les réflexions. Alors, le premier point, c'est qu'en fait... Je pense que c'est valable pour tous les gens dans cette salle, hein, mais le business se contracte. Donc quand le business se contracte,
il faut qu'on soit attentif aux dépenses médias. Et donc être attentif aux dépenses médias ou globalement aux dépenses de recrutement, c'est éviter la déperdition, c'est s'assurer en fait qu'on soit le plus juste possible. Donc quelque part, c'est un mal pour un bien, hein. Ça nous oblige aussi à réfléchir à la manière dont on travaille nos media planning, la manière dont on travaille aussi nos différentes initiatives vis-à-vis de nos consommateurs. Donc en fait, quand le business se rétracte, on est obligé en fait de travailler différemment. Donc c'est quelque part quand même, il faut être honnête, hein, c'est le business qui nous oblige à revoir le modèle. Honnêtement, hein, quand on n'était pas dans ces situations-là économiques un peu tendues liées à l'inflation, etc., etc., on dépensait de l'argent et puis on savait qu'on allait avoir de la déperdition, mais globalement, on touchait quand même la cible. Donc voilà, on avait un travail un peu plus large et un peu plus volumineux. Là, un euro est un euro, donc il faut qu'on fasse attention à comment on l'investit et où on l'investit. Donc ça, ça nous oblige déjà à être un peu plus attentifs. Du coup, à nos investissements. Ensuite, on se rend compte aussi que les modèles de nos consommateurs se transforment. Et ça, je ne vais pas vous l'apprendre. Hein. En fait, la télé, maintenant, il y en a quand même de moins en moins. On a des styles qui se rajeunissent. On a aussi des modes de consommation aussi médias qui n'ont plus rien à voir. Donc ça aussi, bien évidemment, on est obligé de s'adapter. Et aujourd'hui, là, effectivement, je pense que la nouveauté, entre guillemets, pour lié du reste à cette organisation en mono-équipe, hein, full funnel, c'est la valeur du CRM, effectivement, appliquée aux médias et l'idée de se dire qu'en fait, tout le travail qui est déjà fait, en fait, d'un point de vue de segmentation, peut être répliqué, en fait, maintenant sur le média. Et ça, c'est quelque chose qui est assez nouveau, il faut être honnête, et qu'on commence, effectivement, à tester, avec quand même des scales qui n'ont rien à voir, hein, et des précisions qui n'ont rien à voir, parce que les publics et les communautés n'ont pas grand-chose à voir. Ouais, ça me donne forcément envie de poser la question à Hélène de cette massification. Est-ce que ce que décrit Caroline, toi, côté Publicis Media, tu le vois arriver de manière de plus en plus massive, l'utilisation de cette duplication, de ces données CRM en médias. Et effectivement, poussé par la nécessité de bien peser l'impact de chacun des euros investis. De toute façon, effectivement, je vous rejoins, le point de départ, c'est nécessairement le business. Toujours, toujours. Et après, on en descend en marketing et... médias ou CRM, et ça permet certes de 1 euro est 1 euro de le mettre au bon endroit. Quand vous disiez peut-être qu'on fait trop de télé, ça dépend des cibles justement, pour le coup. Donc l'approche consumer centric, elle aide à faire après ces choix-là. On voit, oui, de plus en plus les choses converger chez nos clients. Ça dépend, encore une fois, du volume en général de départ. Pour que les matchings puissent avoir un peu de pertinence et un minimum quand même de robustesse. Ça dépend aussi de la maturité de l'annonceur et de la qualité de la data. Est-ce qu'on est capable de trouver des choses? Et ça dépend aussi beaucoup de l'organisation chez les annonceurs. C'est de plus en plus, on a des équipes où tout est rassemblé, donc, où les responsabilités médias, CRM sont... sous une même personne. Ça aide énormément quand même à accélérer les choses. Énormément, c'est quand même le point de départ. C'est très très clé. Donc tu dirais que c'était une question qu'on se posait. Hein, tu dirais que les organisations des clients aujourd'hui, dans l'ensemble d'un portefeuille comme celui de Publicis Media, elles évoluent justement pour faire en sorte que soit mieux coordonné l'ensemble de ces actions au service d'un client, au service d'un consommateur. C'est aujourd'hui ce qu'on voit quand tu expliques que sous une même personne, on a à la fois du média et du CRM. C'est ce qu'on voit massivement en même temps que le marché devient de plus en plus mature sur ce sujet. Oui, ça se rassemble vraiment de plus en plus. Massivement, honnêtement, je ne vais pas quantifier. Je ne peux pas m'avancer à ce point, mais en tout cas, de plus en plus, ça bouge chez les gros annonceurs, ça bouge, et il y en a certains déjà très matures chez qui c'est déjà le cas, et ça opère. Et c'est vrai qu'en effet, c'est plus efficace, et en général, de ces organisations-là émanent après des approches et des réflexions, mesures, MMM, enfin voilà, du coup, tout en découle, et ça permet d'être plus efficace, et après la boucle est bouclée sur le business, avec plus d'impact sur le business. Et... Alors ça doit être natif chez VP, par définition.
On n'a pas fait exprès, mais oui. C'était l'accident heureux dont tu parlais tout à l'heure, Thomas. Et précurseur, oui, du coup. Oui, une vision quand même de la part du fondateur. Exactement, c'est ce qu'on disait au début. Est-ce que chez VP, on va prendre le sujet encore une fois un peu dans l'autre sens, c'est est-ce qu'aujourd'hui, il y a des points de contact que j'ai propriétaires, qu'on pourrait qualifier de CRM, je ne sais pas, question de sémantique, que vous utilisez un peu comme on utiliserait des points de contact médias par ailleurs, justement, pour faire cette acquisition qu'on ne fait pas en médias, comment vous la travaillez, ou ce reach hein, qui maintenant est naturel, comment vous l'utilisez ? C'est quoi le moteur là, aujourd'hui, il y a un sujet qui nous anime, c'est clairement de s'orienter vers le social. On est donc historiquement, on a ce trafic naturel qui vient chez VP via le CRM ou via un accès direct. Hein, la structure d'audience, elle est hyper basique. C'est 80% de gens qui se connectent directement à l'application et 20% qui viennent par le CRM. Et on a un autre indicateur que nous, on suit beaucoup, qui nous rend aussi peut-être un petit peu atypique dans l'univers du e-commerce, c'est notre taux de stickiness. Hein, un terme, on se la raconte un peu, mais c'est juste le nombre de visiteurs par visiteur unique. Et il est assez élevé au regard de ce qu'on peut voir d'un point de vue statistique en Europe, parce qu'on est à plus entre 20 et 25 en fonction de la saisonnalité, donc 20 à 25 visites par mois par visiteur unique. Ce qui est colossal si on rapporte à une moyenne constatée de 3 à 4 pour un e-commerçant classique. Donc on se dit, bah, tiens, c'est assez atypique, est-ce qu'on est une brand love, ou est-ce qu'à un moment donné on a quelque chose sur lequel on pourrait jouer, et c'est cette attention que nous donne le consommateur, le membre, aujourd'hui on a envie d'aller le titiller un petit peu et voir jusqu'où on peut aller, et donc l'idée c'était de se dire qu'il y a peut-être un sujet social autour de ça, et proposer à nos membres d'aller plus loin dans l'expérience avec le retailer. Et c'est là où je prends la double casquette, à la fois casquette marketing, qui est comment développer les touchpoints autour de la communauté VP, et à la fois la casquette régie, média, retail média, qui est comment mettre au service de nos marques, parce qu'on est un site B2B, avant d'être notre stratégie, elle est pure B2B, elle n'est pas B2C. VP, c'est la conséquence d'une envie de donner un outil à des marques, plus que l'envie de répondre à un besoin consommateur. Ça, faut l'avoir en tête pour nous comprendre. Et donc, on s'est dit, jouons sur cette stickiness et essayons de voir si ces membres peuvent devenir des nano-influenceurs. À un momentum où on avait une vision sur le fait que les influenceurs étaient un sujet qui allait devenir polémique, et en tout cas qu'il y avait une certaine ambiguïté, si on peut dire un minima, sur ce modèle, et que peut-être la vérité, et nous pour nous la vérité, la sincérité est fondamentale dans la relation qu'on a avec nos membres, d'où le fait de ne pas faire de médias au début. Donc c'est-à-dire, est-ce que ces membres peuvent devenir des non-influenceurs ? Donc du coup on s'est posé la question de créer une communauté, et une communauté qui allait à la fois pouvoir leur permettre d'échanger entre eux, mais d'échanger avec nos marques, pour donner plus de temps, sachant que l'équation média, ça reste temps et qualité de l'attention, et donc de dire, on va proposer à nos membres de donner plus de temps aux marques, et avec une attention encore plus importante, avec une plus grande qualité. Et donc on s'est décidé de lancer cette communauté. On en avait un petit peu peur au début, à cause de Leroy Merlin, par exemple. À l'époque, je me souviens, j'étais en réunion, je disais à Delphine qui nous a rejoint, qui est une spécialiste du social, je disais, mais est-ce que tu es certain, franchement, que les gens vont avoir envie de discuter entre eux, alors que tu regardes Leroy Merlin, ils vont parler de bricolage, les fans de bricolage, ils vont s'éclater entre eux et tout, c'est normal qu'ils fassent ça, Decathlon, on avait des case studies en Angleterre avec Phil Unit sur le do-it-yourself dans le maquillage, qui était passionnant, enfin, des communautés autoritaires qui s'étaient créées, puis on s'était dit, communauté. Sur le papier, il y a tout, mais on peut se prendre vraiment un mur, quoi. Et en fait, finalement, en y allant toujours avec beaucoup d'humilité et sans forcer le client, la communauté a adhéré en disant, mais non, mais nous, on adore les marques. Si on peut aller plus loin avec les marques, si par exemple, on avait lancé avec Clarins, si Clarins nous propose de tester ses produits et que vous nous demandez ce qu'on en pense, mais on va y aller pleine balle, quoi. Et donc, des gens sont arrivés, ont commencé à faire des testimoniaux, de l'UGC, du reviewing. Et là, ça nous a permis de vraiment pouvoir se projeter sur le deuxième et troisième étage de la fusée, post-création communautaire, qui était de dire, OK, partez. Partez hors de VP pour promouvoir les marques VP sur vos environnements sociaux.
Parce qu'à partir du moment où on les a incités à avoir une démarche sociale on-site, à partir de ce moment-là, on a toute la liberté de leur proposer d'aller s'exprimer off-site sur une base saine, sincère, qui est la relation qu'ils ont avec VP pour les marques et avec une bienveillance. Parce que c'est important, hein, aujourd'hui, ce qu'on offre à toutes nos marques, qu'elles sont endémiques ou non endémiques, c'est un environnement safe, ultra quali, de consommateurs. Et là, on leur offre un environnement social de gens bienveillants. Et des termes qui, aujourd'hui, résonnent, je crois, de manière assez positive avec toutes les marques qui se sont embarquées dans le projet. Et donc, c'est ça, les nouveaux touchpoints, aujourd'hui, qui peuvent nous permettre de continuer à faire de l'acquisition indépendamment du parrainage, mais en se basant toujours sur nos membres, la sincérité et la qualité de la relation avec les marques. Et donc, on a un peu parlé de mesures jusque-là. Une telle communauté, on en mesure l'impact à la fois sur les marques et sur le consommateur final, en B2B et en B2C. Comment, de quelle façon, aujourd'hui, question piège, question... Non, je ne sais pas, mais question, on dit la vérité, enfin, on va répondre la vérité, mais on essaie comme toujours. Hein, la mesure, c'est un challenge. On commence par faire ce qu'on peut. Donc là, en l'occurrence, on mesure que les membres qui sont dans le club deviennent des super membres, c'est-à-dire qu'ils reviennent plus souvent, qu'ils consomment plus, que les taux de transformation sont plus importants, et les marques qui prennent ces dispositifs médias se rendent compte dans un premier temps qu'elles deviennent, pour les marques endémiques, qu'il y a un reach qui se crée. Alors, la performance relative à ces opérations, elles sont multiples. C'est-à-dire que vous avez des marques qui viennent chercher, par exemple, du reviewing, qui viennent chercher une action. Donc, elles vont mesurer un lead. Ensuite, elles vont mesurer que ces consommateurs, que ces participants-là deviennent des surconsommateurs de leur marque dans notre environnement. Et à nous, après, là-dessus, on n'y est pas encore, parce que je pense que c'est un travail qu'on doit faire avec les marques et plus globalement avec un écosystème, c'est l'attribution. Qu'on va donner à ces campagnes sur d'autres cadeaux. Et là à ce niveau-là, on n'est pas encore totalement mature. On n'est peut-être pas dans le bon ordre. Hein, c'est pas grave, c'est bon. C'est spontané cette discussion. Ouais, on est entre nous, voilà. Et du coup, si Caroline est d'accord, je me dis en entendant Thomas que les communautés, ça doit jouer un rôle aussi important, évidemment. Ouais. Soit je te laisse réagir, mais je te pose quand même ma question. Est-ce qu'on peut même se dire que ça a un rôle justement dans ça leverage entre guillemets l'efficacité média? Ça permet d'optimiser l'investissement média que d'être en capacité de fédérer des communautés sur des cibles qui sont en plus hyper ventes. Je sais. Alors c'est vrai que la paire de lunettes que je vais avoir moi là sur la partie communautaire, elle est plus first party, très claire. Elle est moins média pour le coup. Mais aujourd'hui, et là je vais vraiment de nouveau discuter de la partie plus baby food, hein, mais aujourd'hui on a un enjeu nous très fort, donc avec tout ce que je vous racontais tout à l'heure sur la partie réglementaire, de faire penser à nos marques le plus tôt possible en fait. Ça c'est hyper important. On a testé nous par contre des modèles sociaux purs. C'est compliqué parce que on reste quand même un produit alimentaire. C'est pas complètement la même mécanique. On est des marques fortes, mais on n'a pas cette mécanique de multi-marque comme vous pouvez avoir. Donc du coup, nous, quand on leur demande de rentrer dans un sujet, c'est toujours avec une monomarque et pour quelque part un peu défendre cette marque, ou en tous les cas préempter un territoire pour cette marque. Donc c'est compliqué, la relation elle est compliquée. Et on a pas mal de problèmes de measurement sur ce type d'activation. Et donc effectivement, on l'a testé, mais voilà, on n'a pas gardé ça. En revanche, effectivement, programme CRM relationnel, entre guillemets, je vais dire classique, c'est un peu basique, mais oui, on fait beaucoup d'emailing, on fait beaucoup d'événements. On a aussi un service très fort, nous, qui est le service de Care, Careline, ouvert 24/24, c'est à ce jour. Je le redis du reste pour les gens, ça intéresse. Blédina et Galia, vous pouvez appeler un numéro vert et donc vous avez des sages-femmes et vous avez des experts, des professionnels de santé qui vous répondent, nuit comme jour, c'est important. Donc oui, on a un certain nombre de services voilà, comme ça qui permettent et qui accompagnent effectivement ces communautés. Le volet social, on l'a un peu abandonné pour être honnête, c'est pas simple. Et puis la partie, notamment la partie influence, c'est difficile hein, quand même de décrypter.
et notamment la nano-influence, c'est dur. Hein. C'est des petits volumes, c'est petit volume après petit volume, et ça demande pas mal d'énergie quand même à animer et à créer. Juste et un petit commentaire sur ce que tu viens de dire. Et nous, ça a été une de nos principales motivations de discuter avec les marques, justement, oui. sur le fait que pour elles, c'était extrêmement compliqué d'aller sur ce territoire-là, oui. qu'il était complexe, et puis que même par essence, peut-être que des positions monomarques n'étaient pas légitimes. Voilà. Et donc, du coup, ça nous a énormément motivés, parce qu'on nous a dit, mais si vous nous offrez un environnement où on peut venir à certains moments de manière totalement maîtrisée et avec un niveau de ops tout à fait raisonnable, jouer avec une communauté en qui on a confiance et dont on sait qu'elle est sincère et qu'elle est maîtrisable, oui. là, à ce moment-là, oui. C'est très safe pour nous, en fait. Ça, c'est très safe et ça nous permet effectivement d'activer plus de choses. Et nous, ça nous a beaucoup motivés, en fait, justement, de se dire, OK, il y a un positionnement là où on peut aller d'un point de vue B2B. Hélène, ça te faisait réagir ? Non ? On t'a coupé la parole ? Non ? Non. Du coup, on a beaucoup près de la mesure. On a beaucoup près de la mesure. Oui. Sur, hein, et pour autant, pas assez. On reprend. Allez. Il met un peu on a beaucoup parlé de la mesure, parce que donc, c'est une mesure transversale. Regardez la mesure sur les nouvelles approches communautaires ou nano-communautaires. Karine, tu en as parlé. Chez Publicis Media, je suppose que c'est beaucoup de vos clients vous challenge. Enfin, Paul Avril aussi en a. Après, en gros, tout le monde en parle. Donc, du coup, chez Publicis Media, je pense que les clients vous challenge beaucoup. Et quels sont un peu les nouveaux outils, les nouveaux moyens? Comment vous approchez cette nouvelle. Toutes ces, à la fois la multiplication des points de contact et tout ce que vous demandent vos clients. Est-ce qu'il y a des approches propriétaires? Est-ce qu'il y a des outils d'optimisation que vous mettez en place sur ces sujets-là? On fait plein de choses. Et j'en doute pas, ça. On va pas passer la matinée, mais... Plein de choses bien. Alors oui, bah c'est mieux. C'est-à-dire que on essaie... Non, mais effectivement, dans le média, nativement, on mesure. Enfin, voilà. L'impact, la performance, de plus en plus l'impact sur les ventes aussi, c'est de plus en plus lié au business. On a énormément d'outils propriétaires, bien sûr, Publicis également, qui permettent d'optimiser à la fois les verticales, donc au niveau du trading, qui permettent aussi d'optimiser le media planning, l'orchestration des différents leviers, des canaux entre eux. Voilà, tout ça, ça fait un moment des outils comme Touchpoint qui existent depuis que je suis née, j'allais dire l'angoisse, 2003. 20 à 30 ans. Alors, j'ai pas du tout 20 ans. 2003, mais bon. Je crois. Hein, bon, bref, assez longtemps, mais qui, du coup, permettent... Il n'y a qu'un chiffre à la fin. Qui, du coup, permettent d'avoir voilà, des bases référentielles très, 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 très solides. Là, depuis 2 ans à peu près, l'enjeu maintenant, c'est d'intégrer tout ça et d'orchestrer tout ça. Et donc, on développe une plateforme qui s'appelle Growth OS. Growth pour croissance, donc. Parce que c'est vrai qu'en français, si on prononce mal, c'est tout de suite un drame. Donc, l'idée est effectivement de tout intégrer et d'avoir toute cette data, toute cette connaissance, toute cette intelligence, toutes ces mesures de vagues passées, donc que ce soit de la 1P, que ce soit des MMM, voilà, au même endroit. Digérer, aider par l'IA pour accélérer évidemment les prises de décision et surtout aider à ce que les stratégies soient d'office plus pertinentes, plus efficaces. Est-ce qu'on doit baisser de la télé? Est-ce qu'on doit se lancer dans le social? Enfin, que sais-je, quoi. Donc c'est effectivement ce type de choses qu'on développe et avec de toute façon toujours en toile de fond, un volet mesure et intégration de tous les canaux et de tous les nouveaux leviers aussi. Vous parliez d'influence. C'est nouveau, j'ai envie de dire, et c'est pas toujours aujourd'hui mesuré de la même manière et avec la même rigueur que tous les autres canaux. On sent nos clients plus tolérants sur je sais pas si c'est le cas chez vous, mais un peu plus tolérant finalement sur la performance de l'influence. Il y a quand même en fonction des budgets très conséquents qui sont investis et quand on demande si ça fonctionne, genre parfois un petit moment de flottement. Oui, bien sûr. Et donc, mais sur quel KPI, voilà, c'est il y a un enjeu, j'ai envie de dire de tous les canaux maintenant sont mesurés depuis très longtemps avec des choses très très robustes et des outils très robustes. L'influence, par exemple, ce serait bien que ça rejoigne le reste des leviers. Donc une plateforme aujourd'hui un peu intégrée, interopérable.
qui apporte encore cette notion de vitesse et time to market dans la prise de décision. Aujourd'hui, le niveau d'usage de ces outils, il est très agence et partagé avec le client, où tu sens quand même que maintenant, il y a quand même un consensus qui est fait. Il n'est pas que seulement l'agence, ceux qui travaillent pour les clients, mais aussi les clients aujourd'hui sont de plus en plus matures dans l'interprétation des résultats, challenge de plus en plus les agences dans des prises de décision. Il y a un niveau de maturité qui est maintenant présent sur le marché quand on met à disposition ce type d'outils aux clients. Oui, si on est honnête, le niveau de maturité, il est des deux côtés aussi. Nous sommes ensemble arrivés à maturité. Les clients, bien entendu, mais aussi les agences médias. Il y a 5 ans, on n'était pas encore, prêts, forcément, à avoir des discussions de ces ordres-là avec nos clients. Et quand on propose une plateforme comme GrowthOS, c'est très vite, bien sûr, accepté, très vite adopté, aussi parce que c'est très collaboratif comme plateforme et c'est très transparent. Donc ce que nous on voit, l'interface sur laquelle on opère, le client voit la même chose. Donc après, est-ce qu'il est suffisamment mature pour interpréter lui-même les résultats, etc. On en parle en fait, c'est pas du tout chacun chez soi. C'est justement, ça réunit tout le monde, qu'on soit CRM, média, ça réunit tout le monde autour du coup d'une même approche et encore une fois autour du consommateur. Ça permet d'être très consumer-centric. Caroline, tu en parlais tout à l'heure sur la partie mesure, mais sur de dire que le retail média, via ton partenariat, parce que tu avais fait avec Carrefour, oui, tu avais permis quand même de mesurer l'effet en uplift sur du CRM. Et du coup, je me tourne vers toi, Thomas, sur la partie aujourd'hui, sur l'offre, dans l'offre retail média de VP. Ces éléments de mesure sont attendus, enfin, je suppose que tu vas répondre oui, mais en tout cas, peut-être avec un peu plus d'arguments. Mais c'est des arguments clés dans les dispositifs. Et attendu par ses clients et avec un niveau de finesse important. Oui, en fait, je crois que le retail média est la troisième révolution pour la simple et bonne raison, c'est qu'il y a la mesure. En fait, faut pas oublier la seule unique raison pour laquelle ça cartonne autant et qu'on a eu un tel niveau de croissance, c'est que pour la première fois, on a une réconciliation en temps réel du média et de l'achat. Donc on peut tout retourner dans tous les sens, c'est d'une simplicité infantile, ça n'existait pas avant. Et aujourd'hui, Danone peut acheter en temps réel, peut demain ou après-demain, via l'IA, avoir une génération automatique de son visuel en fonction de l'achat. Et donc ça, on est passé d'un monde, on va dire, au ROI probable, à un ROAS. Donc, je sais pas, ROI probable. Oui, c'est pas moi qui l'aurais dit, mais c'est ça la réalité. Donc le retail média est ce qu'il est, pour la simple bonne raison, c'est que pour la première fois, il y a la mesure. Donc par essence, dans l'univers... et là, ces techniques, il n'est possible que dans l'univers du on-site aujourd'hui. Et tout l'enjeu, comme je le disais, vu que c'est un univers extrêmement pénurique, c'est est-ce que le retail média va devenir un acteur du média sur le off-site en arrivant à déporter, un, sa data, et deux, en déportant la mesure. L'enjeu, il est là. Parce que sur le on-site, le sujet, il y a les deux. Donc à mesurer, c'est extrêmement simple. Et c'est cette simplicité qui fait aujourd'hui la performance de ces produits et l'adoption massive du marché en si peu de temps. Avec un deuxième enjeu qui n'est pas celui de la télé, justement, pour ne pas la défendre, qui est la fragmentation et une mesure qui est propre à chacun des acteurs, là où les anciens médias étaient mesurés par un acteur unique qui mesure l'ensemble des acteurs de la même façon. Donc ça, c'est probablement, j'imagine aussi pour vous, Danone, l'enjeu auquel font face les marques par rapport au retail media, c'est que chaque mesure, chaque action est faite avec un ROS direct chez chacun des partenaires potentiels, mais multiplié par le nombre de partenaires. C'est là où on a besoin de l'agence média qui réconcilie. Non, ça c'est vrai. C'est vrai que effectivement chaque acteur a sa propre mécanique. Et si je complète juste un tout petit point par rapport à ce que tu disais sur le niveau de maturité. Bon, effectivement, nous, chez Danone, on a une agence, un support, on a un outil commun, mais aujourd'hui, on ne l'opère pas en interne. C'est notre agence qui l'opère, c'est l'équipe dédiée qui l'opère. Enfin, en revanche, c'est une équipe complètement intégrée. Et ça, c'est peut-être un modèle d'organisation aussi qui est intéressant. Une mécanique un peu d'in-house, qui est l'idée de définir, en fait,
de manière très précise des équipes et de les intégrer quasiment à 100% de leur temps dans les équipes marketing. Et ça, ça fait longtemps qu'on fait ça chez Jadon. On ne le fait pas que pour le média. On le fait pour le social media aussi. On le fait pour un certain nombre d'expertises. Et ça, c'est peut-être des twists d'organisation qui sont intéressants. D'abord parce qu'effectivement ça ne charge pas les overheads pour Danone, mais c'est surtout que ben voilà, on va quand même, je milite pour mon, voilà. Mais en revanche, par contre, la mécanique de process, de ways of working totalement intégrée, ça change aussi le rapport et ça peut amener, et notamment ça a été le cas chez Danone, des hermétismes qu'on casse, en fait. C'est-à-dire que cette équipe-là, quand elle est au bon endroit et qu'elle a les bonnes missions, elle arrive, en fait, à pouvoir aussi faire fi un peu de l'organisation et de mettre dans des mêmes pièces des gens qui, naturellement, ou d'un point de vue d'organisation, ne se seraient jamais parlé. Et parce que cette équipe, elle est in-house, elle fait ce travail, du coup, voilà, de réunir, en fait, un certain nombre de planètes différentes. Donc, c'est un autre modèle. Je pensais à ça d'un point de vue d'orga. Mais pour revenir sur ta question, oui, non, nous, effectivement, on a besoin d'une agence média qui réunit tout ça, hein, ça, c'est sûr. Voilà. Et sur la partie retail média, c'est très juste. C'est vrai qu'en fait, la question ne se pose pas, en fait, sur cette thématique. C'est-à-dire que, oui, la mesure, elle est immédiate. Et ce n'est même pas qu'elle est immédiate, c'est qu'on a besoin de ça pour ça. C'est-à-dire qu'en fait, on le fait pour ça, en fait. On ne le fait pas pour des mécaniques de awareness, etc. Mais par exemple, si je prends chez Danone aujourd'hui, la vraie question de fond, c'est quelle est la part que je vais mettre sur cette partie de retail media versus le reste, et notamment sur des marques très fortes. Et nous, on est quand même un groupe qui est reconnu pour avoir des marques fortes et à mettre beaucoup d'argent sur le awareness. C'est quand même principalement le KPI défini de nos campagnes. C'est ça, c'est la noto. Et donc, on a aujourd'hui un travail, nous, de répartition de la charge et de la puissance. Où est-ce qu'on met quoi? Et ça, c'est pas simple à faire dans un groupe dans lequel le modèle n'était pas du tout celui-là, où pour le coup, nous, on est très média dépendants. Ouais. Et du coup, ça, c'est pas simple parce que la répartition et la charge, elle est difficile, vraiment. Mais c'est un point important parce que autant effectivement, ça peut paraître simple d'investir sur du retail média sur la partie bas de tunnel, autant vu que tous les acteurs du retail remontent le funnel. Là, le rôle des agences devient essentiel parce que ça se complexifie. Et on voit bien que la maturité de nos clients, sur l'état média, elle est très bien. Enfin, ils ont très bien compris, effectivement, la partie bas de tunnel. Mais sur la partie awareness, considération, il y a des outils qui sont exceptionnels au sein des retailers. Pour autant, là, ils ont besoin d'un niveau de mesure différent que le simple ROAS. Et on voit à quel point un marché qui, pour nous, était nativement direct annonceur est un marché qui je pense va avoir beaucoup plus besoin des agences qu'on l'imaginait encore il y a 12 mois quand. C'est la plus pour vous. Alors merci, vous rattrapez bien. sur la partie, parce qu'on parle beaucoup d'activation en tant que telle et de mesure, mais donc pour pouvoir activer, mesurer, il y a quand même encore, enfin, Yann en parlait, et puis Olamir aussi, sur la partie un peu socle de données et outils technologiques à mettre à disposition. Ça a été des grandes évolutions, VP par naissance en tout cas, s'est outillé très rapidement, mais sur Danone, donc on a vécu pas mal de choses. Sur tu peux un peu nous donner un peu les steps qu'il y a eu sur cette notion de comment technologiquement et même fonctionnellement, la stratégie autour de la CVJ, donc Consumer Value Journey, a dû se décliner d'un point de vue data et architecture, ouais, écosystème autour de la donnée. Ouais. Où tu en es aujourd'hui? Alors encore une fois, je vais quand même concentrer sur Specialized Nutrition, hein, parce que c'est, oui, c'est quand même là le cœur du sujet. t'es bien placé pour le savoir, parce que ça fait un petit moment que tu nous suis. Ça fait presque plus de 10 ans maintenant qu'on travaille effectivement avec Epsilon sur le sujet. Donc en fait, au démarrage, c'était une initiative très locale. On a des enjeux locaux, globaux, hein, forcément, chez Danone. Donc il y avait des initiatives au démarrage qui ont été très locales. Et donc on a construit notre modèle de données français, franco-français. On lui a plugué pas mal de services un peu différents, même des services qui étaient un peu larges, notamment des services de loyalty qu'on a eu pendant très longtemps. Voilà. Donc ce système, il était très franco-français, et il était piloté de main de maître, voilà, par les équipes de Sylvain. Et puis petit à petit, en fait, on a effectivement commencé à un peu industrialiser nos modèles.
notamment parce qu'on était mandaté par d'autres pays pour pouvoir effectivement étendre nos systèmes de data, nos systèmes effectivement aussi de recrutement. Et là, donc effectivement, le backbone, entre guillemets, la capabilities a pris un peu une autre orientation. Et on a commencé à intégrer du coup des outils un peu différents qui étaient des outils qui descendaient des équipes globales. Donc on a commencé à... qui étaient, pour être très honnête quand même, un peu surdimensionné au démarrage quand ça nous est tombé dessus. Mais c'est comme ça, c'est le jeu. Et donc, on a effectivement changé nos modèles. Donc, on a travaillé du coup sur des modèles Adobe qu'on n'avait pas jusqu'à présent. On a maintenant un outil qui s'appelle Giga sur le système d'authentification qui n'était pas du tout un outil qu'on avait à l'origine. Enfin, voilà, on a été obligé de changer nos modèles, pas mal de modèles, en fait, capabilities. Et puis, on est là maintenant, si tu me poses la question... on essaie de stabiliser déjà là, parce que pour être honnête, c'est pas complètement stable, hein, voilà. Et puis surtout ce qu'on a fait et aussi avec tes équipes, on a surtout amélioré le measurement, parce que ça, on avait un vrai problème de fond. On avait du mal à capter toujours la donnée, son évolution, et ça, c'était un gros travail de l'année dernière où on a refondu la totalité des dashs. On a utilisé du Power BI pour faire ça, enfin pas mal de choses qui peuvent paraître assez basiques quand je vous en parle là, mais pour Danone c'était quand même des choses qui n'étaient pas complètement on track. Donc aujourd'hui les modèles ils ont évolué plutôt dans un carcan entre guillemets global, mais on est plutôt là en ce moment sur un enjeu de stabilisation quand même, on n'est pas complètement fini, si je peux le dire comme ça. Il y a des réflexions sur les nouveaux termes un peu de CDP, de clean room, enfin, c'est des choses aujourd'hui on... Oui, bien sûr que oui. Il faut bien qu'on vende des missions de conseil après, nous. Heureusement, on a même des noms de, bon, on a des noms de projets, on a un projet One ID, on a des data lake, on a beaucoup de choses. Le One ID, je pense que c'est plus intéressant qu'on en discute un peu. C'est un projet qui tourne au global depuis un petit moment. Intellectuellement, il est forcément séduisant. C'est l'idée de mettre dans un endroit la totalité de la donnée, first, second et third, et de pouvoir du coup s'en servir, l'activer correctement. Enfin, intellectuellement, on ne peut pas être contre l'idée. C'est l'idée. Enfin, voilà. Donc, bien sûr, et quand je disais tout à l'heure, bien sûr, oui, on a cette discussion-là ensemble. La question fondamentale après, elle est la mise en œuvre. C'est comment est-ce qu'on s'organise pour le faire? Et la deuxième question que je rajoute à ça, c'est quand on s'appelle Danone et qu'on a des enjeux business et qu'on a des modèles en fait, voilà, d'activation qui sont les nôtres, est-ce qu'on va investir autant dans ce modèle? Et ça, c'est une deuxième question. Je me mets dans les pattes de VP, par exemple, dans les pieds de VP. Forcément, la question ne se pose pas. C'est le modèle intrinsèque. Il a été construit comme ça. Nous, on est un modèle pas du tout comme ça. Donc nous, ça fait changer tellement de choses, ça fait investir tellement de choses pour, in fine, quel gain au bout du bout, qu'on a beaucoup, beaucoup de questions, il y a beaucoup, beaucoup d'échanges avant d'arriver à démarrer la première mise opérationnelle, en fait, et mise en mouvement, en fait, des sujets. Mais forcément qu'intellectuellement, on est intéressé. Enfin, on ne peut pas ne pas l'être, en tout cas. Et est-ce que vous amorcez des pilotes ou des POC sur cette... Ouais, alors après, on amorce des... D'abord parce qu'on a besoin de vendre un peu l'idée aussi en interne, et donc on a besoin aussi d'aller chercher de l'argent. Donc on démarre en fait des initiatives... C'est 2 ans. Hein. Merci Sylvain. Mais c'est un court temps, tu sais, pour Danone. On a commencé à faire un truc assez basique, mais qu'on avait en fait quand même jamais fait. On a pris la base CRM, SN, et puis on est allé la pluguer à la base des Encart et Carrefour Baby Food, et on a regardé ce qu'on avait en commun. Enfin, c'est basique, hein, mais on l'avait jamais fait. On a fait ça aussi parce qu'on avait une question de fond et qui est de toute façon dans nos modèles à nous une question vraiment importante, qui est c'est quoi la rentabilité de la donnée first, c'est-à-dire à quoi ça nous sert en réalité. Ce projet, il nous a servi à montrer un uplift de plus de 18% en fait sur les mamans qui étaient dans la base de données versus celles qui ne l'étaient pas. Et on a un panier moyen qui est le plus élevé, et on a une durée surtout de consommation qui est plus élevée. Donc on réussit comme ça, avec petite touche après petite touche, étude après étude, à montrer la valeur de la force et la nécessité de l'entretenir et de continuer de la transformer. Donc oui, on fait des petites choses. Mais honnêtement, aujourd'hui, on est bloqué sur le backbone. Hein. On est bloqué sur la technique. Hein. Aujourd'hui, on a du mal à décider d'y aller. Les investissements sont importants. Nous, en plus, on veut rassocier des outils de mesure derrière, forcément. Et on veut du temps réel. C'est-à-dire qu'on ne veut pas avoir des one-shots. Sinon, ça n'a pas de sens. On ne va pas pouvoir travailler correctement. Donc, quand on met tous ces modules les uns à la suite des autres, c'est un vrai investissement d'entreprise. On a du temps. Je me permets de poser une question.
Et pour le coup, le fait de faire ça, ça permet aussi de donner encore plus de valeur à la donnée OnePay, puisque comme ensuite vous l'exploitez, alors certes vous la croisez avec de la Toupie Retailer, et quand vous l'exploitez ensuite en média, c'est là où elle prend toute sa force. Exactement. Et c'est pour ça que c'est important. C'est un cercle vertueux. C'est un cercle vertueux. Et nous, utiliser la donnée CRM dans le média, c'est une valeur hyper importante pour nous, parce que ça contribue à la rendre importante dans l'entreprise. Enfin, c'est important de se le dire, c'est qu'on a autant d'intérêt, nous, en tous les cas, à valoriser la donnée first au travers du média qu'au travers de nos programmes relationnels. Et ça, c'est essentiel. Et le cookie nous a aidés, enfin, le fait qu'on a de plus en plus de mal à targeter, à trouver des audiences, etc. La force est arrivée à un moment donné où on s'est dit, tiens, on va faire du lookalike avec la force, ça peut avoir de l'intérêt. On va faire du retargeting, où on va enlever un certain nombre de segments parce que ça a de l'intérêt. Et jusqu'à présent, on n'avait jamais piloté la force dans cette mécanique. Et là, depuis 2 ans, effectivement, la force redevient vraiment un enjeu important avec le média. Et notamment sur des catégories petites comme SN, où en fait on a sur du média plus traditionnel du mal à trouver la maman en grossesse ou la maman en postpartum. Je te pose la question, comment je peux trouver, s'il te plaît, en média des mamans en phase de postpartum? Tu ne peux pas. Et non, on est d'accord. Je ne peux pas. C'est un peu comme les gens qui vont déménager. Voilà, exactement. Et donc, en fait, c'est effectivement la first, doublée d'un certain nombre d'indices médias quand même qui nous aident, nous permet quand même de resserrer le maximum possible, en fait. Voilà, le targeting. C'est vrai qu'on a de plus en plus de clients qui, lorsqu'ils ont investi dans leur OnePay, qu'elle est structurée, qu'elle est un peu volumineuse, qui désormais priorisent l'onboarding de cette OnePay en média. Et qui ensuite font le plein avec autre chose. Mais qui d'abord capitalisent sur cette donnée qui, certes, elle a une valeur, mais elle coûte cher. Exactement. Quand même, elle a coûté cher à acquérir, elle coûte cher à entretenir. Exactement. Il faut l'utiliser et l'exploiter à plein et tout le potentiel. Donc, exactement. Je rajoute dans la first, bien sûr, la donnée déclarée, mais je rajoute aussi tout l'analytics des sites web, parce que nous, on a un énorme job qu'on fait depuis des années sur les sites, le trafic des sites web. Il est hyper qualifié. On a beaucoup, beaucoup de volume de trafic sur Blizzina et sur Gallia. Et on utilise aussi beaucoup la data analytics dans cette même mécanique. La data, donc, c'est du volume en média pour des marques médias dépendantes, en effet, et pour VP, de la personnalisation, j'imagine aussi. Donc, même si on revient sur cette fameuse conviction autour de cette relation directe, je reprends un peu les termes de Paul Amory au début, de l'attractivité de la marque, la personnalisation, l'omnicanalité. Là, l'attractivité de la marque, tout est dans ce qui est fait avec les marques, qui en B2B entre VP et les marques, et sur l'offre finalement que propose VP au quotidien. Mais la personnalisation, j'imagine que c'est aussi ce que vous permet la data au quotidien pour l'ensemble de vos membres, communauté ou pas d'ailleurs, et probablement plutôt en dehors de la communauté. La perso est essentielle pour nous parce qu'on a accès à la donnée et effectivement on peut aujourd'hui changer en temps réel la homepage du site avec nos données. Donc aujourd'hui, il y en a 90 ou 95% de l'affichage de notre home qui est fait de manière personnalisée. Donc personne sur les 3 millions de membres qui viennent tous les jours, personne ne voit la même page. L'enjeu, il est... Il y a deux enjeux autour de l'utilisation de la data sur l'on-site et au niveau de la personnalisation. Il y a l'enjeu des autres pages. Où là, on n'a pas encore un niveau de maturité assez fort et je crois aussi technologique pour nous emmener sur la production de pages en temps réel en fonction du consommateur, et notamment en termes du X. Je pense que c'est la prochaine étape. Il y a de plus en plus d'acteurs qui vont se doter de ce type de technologie, notamment dans des logiques médias d'acquisition, parce qu'on ne peut pas décemment imaginer dans les années qui viennent avoir une page produit pour un aspirateur qui s'affiche de la même manière si on a cliqué sur Google aspirateur ou si on a vu une pub pour Dyson. Et forcément, la page produit devra évoluer. Elle évoluera via de l'IS sur sa partie UX. Donc, la perso, elle est essentielle et elle va être de plus en plus présente grâce à ces nouveaux outils et à notre capacité à produire en temps réel du visuel, de l'UX et de la remontée d'informations, qui sont les trois composantes de la personnalisation. Pour autant, il faudra arriver à un moment donné à placer le curseur sur la conviction et sur l'éditorial.
La force de VP, ça a été aussi à un moment donné d'avoir une force de prescription, d'être en mesure de dire l'event aujourd'hui c'est ça. On a envie que ce soit la journée de ci, de ça. L'ultra personnalisation telle qu'on peut la décrire en tant que citoyen lorsqu'on parle des réseaux sociaux, lorsque certains parlent d'un Netflix où on serait tous conditionnés vers une même vers une moyenne des moyennes, grosso modo, nous on doit aussi la prendre en compte pour un moment afficher certaines convictions, travailler avec certaines marques sur certaines typologies d'événementialisation. Donc je crois qu'il va falloir conjuguer l'ultra personnalisation à des niveaux qu'on n'a même pas encore imaginé avec les outils qui sont en train d'arriver, qui sont révolutionnaires. Pardon, clairement, nous, l'IA chez nous, c'est déjà d'actualité et c'est déjà un tsunami sur l'intégralité de la société. Et en même temps, avoir une conscience que notre singularité, elle se fera aussi par un curseur qu'il faudra placer au bon endroit. Avec du live, des événements, enfin, c'est aussi, on le voit quand on parle d'audience, qui réunit encore des audiences massives, c'est finalement le live, c'est finalement ce qu'on événementialise. Donc est-ce que c'est à ça que tu fais référence, de l'événementialisation d'un côté très collectif, en fait, versus de la personnalisation? Il faut toujours garder un petit peu, enfin, quand je parlais beaucoup au début en termes de trafic, de sincérité, mais il faut garder de l'émotion, il faut garder de la créativité, il faut garder les pieds sur terre. Ou les pieds dans l'humain, comme vous voulez, j'en sais rien, mais à un moment donné, l'IA, aujourd'hui, va nous confronter à ces sujets-là. Ça va être des outils qui vont être extraordinaires, mais je pense encore qu'il sera important d'avoir des convictions et que ça se sente aussi dans un produit, même digital. Ça fait écho, je pense, pour le produit notamment, enfin sur SN, cette notion de marque chaude, de garder la singularité, c'est comme ça qu'on... Ouais. C'est construit. Oui, ouais, complètement. En fait, c'est surtout l'adéquation parfaite entre ce que les parents ou la maman vit et le signe que la marque va lui donner à ce moment-là. Il n'y a rien de pire que de tomber à côté, en fait. Surtout dans ces moments qui sont plus des moments très émotionnels où il y a beaucoup d'attentes. Il peut y avoir même parfois quand même aussi des difficultés au day-to-day, hein, à s'occuper de son bébé, à reprendre le travail. C'est vraiment des moments qui sont lourds. Et donc, effectivement, la justesse de l'arrivée, il est essentiel. Et c'est en ça où la perso, elle est presque... En tous les cas, pour cette partie-là, chez Danone, elle a vachement plus de valeur. C'est d'arriver vraiment au bon moment si on arrive... Et ça se joue à quelques semaines. Hein, donc, si on arrive la semaine d'après, c'est foutu, en fait. On n'y arrive pas. Ça peut même être très problématique pour nous, en fait. Voilà, ça peut même... Ouais, c'est vraiment contre-productif. Donc, ouais, c'est exactement ça. On va vous poser la même question que celle qu'on a posée à Paul-Amaury tout à l'heure. Alors, vous avez le challenge, c'est de répondre en une phrase, comme tu en as eu l'occasion, Paul-Amaury, ou en un mot. Challenge proposé, je vous laisse l'accepter ou pas. Pour vous, la suite, c'est quoi? Les perspectives, le challenge au quotidien, hein. Enfin, qu'est-ce qui est important dans ce qu'on voit venir dans les années Un mot. Ah, ou une phrase. Allez, une phrase sera tolérée, mais si vous y arrivez en un mot, c'est encore mieux. On a le temps, mais... Je peux commencer en un mot. Allez. Je dirais la collaboration. Voilà, je ne sais pas si je peux développer maintenant. Ah, mais... Du coup, voilà, bonne journée. Développe. Je pense que le mot parle pour lui-même, mais oui, c'est un sujet qui revient. Non, mais bon, voilà, vous disiez aussi, et merci, que les annonceurs allaient avoir besoin des agences médias, notamment pour la troisième vague retail média. Oui, et ça va fonctionner uniquement si on travaille ensemble de toute façon, et comme on le fait déjà sur tous les autres leviers. Et puis, puisque le thème du jour, c'est CRM et médias, les interactions qui comptent. Que tout soit au sein de la même agence ou non. Donc, en l'occurrence, là, que tout soit chez Publicis Media et Epsilon, ou bien que ce soit dans des agences séparées. Ce qui compte, c'est de pouvoir effectivement échanger, d'avoir des instances qui réunissent les différents protagonistes autour de la data et de la connaissance client. Et je pense que sans ça, il ne se passera pas grand-chose. À moi. Moi, c'est un peu moins fun. Le mot quand même, et il faut quand même pas qu'on l'oublie, c'est réglementaire, quoi. C'est-à-dire que je pense qu'il faut quand même qu'on se prépare. Voilà. Je pense que ça se resserre, ça va continuer de se resserrer. Et je suis pas sûre que ça nous aide beaucoup. Du coup, dans tout ce qu'on se dit là, en tous les cas, on va encore avoir pas mal de bâtons dans les roues, à mon avis.
Et donc, il va falloir continuer de s'adapter, il va falloir continuer de trouver des solutions pour garder cette exigence quand même, à la fois d'audience, de messages et de moments. Donc, je pense qu'il faut qu'on se prépare quand même un peu. Voilà. Tu aurais pu dire agilité, du coup. Ouais, mais bon, c'est une conséquence voilà. du règlement, ça. Je vais faire un peu bateau, mais IM. On en a beaucoup parlé aussi de tout au long de la matinée. Et en effet, le tsunami. J'ai retenu tsunami chez VP. C'est pas un bon terme. J'aime pas les termes un peu trop extrêmes comme ça. Mais oui, ça change beaucoup de choses. Et ça va s'accélérer. Mais je suis d'accord sur la partie réglementation. Nous, ça a été un enjeu colossal aujourd'hui de découvrir la notion de cookie-less, de découvrir la notion de consentement, et aussi de peut-être devoir anticiper que cette période n'était potentiellement que transitoire. Et je crois que c'est ça le plus dur. C'est qu'on nous impose quelque chose aujourd'hui qui, en fait, par essence, nous paraît potentiellement pas dénué de sens. Évidemment, la protection des données, c'est une chose, mais transitoire, parce que le consommateur reprendra le dessus, ou alors on s'apercevra de l'absurdité de la situation. J'en parlais tout à l'heure sur Facebook. Là, aujourd'hui, la réglementation aura réussi peut-être l'exploit de rendre Internet plus cher pour le consommateur. Merci beaucoup à tous les trois. Vous avez compris comment fonctionne l'Epsilon D. On commence par les questions de la salle. Et on a quelques questions en ligne aussi auxquelles on pourra répondre. Merci vraiment à tous les trois pour chacune de vos interventions. Passionnant. Il nous reste un micro. Est-ce que vous avez des questions dans la salle? On commence tout de suite par les questions à distance. Alors, je crois que la première est pour toi, Caroline. Pour cette approche full funnel et garder cette consistency auprès des clients, quels sont les outils que vous avez mis en place et à quel moment clé les avez-vous mis en place? Il y a deux éléments effectivement qui nous ont permis en tous les cas d'améliorer, encore une fois tout est optimisable, mais en tous les cas d'améliorer la situation entre guillemets. Il y a effectivement l'organisation, ça c'est un sujet, donc effectivement réunir ces équipes à un seul endroit avec un boss, effectivement ça a permis quand même d'aligner pas mal de planètes, ça, c'est une évidence. On a un gros travail chez Danone depuis une petite année maintenant autour d'un outil, donc je ne vais pas forcément rentrer dans le détail, mais on a un outil aujourd'hui qui est à la fois un outil de diagnostic en fait sur nos marques, qui à la fois travaille la physical lavability, la mental lavability, enfin un certain nombre d'éléments en fait qui nous permettent d'avoir un diagnostic très précis de nos marques. Et de produire du coup à l'issue de ce diagnostic des plans de marque qui sont cohérents sur l'ensemble de cette analyse qui a été préalablement faite par cet outil. Et à l'issue de quand cet outil est mis en place, il y a un certain nombre de meetings en fait qui ont lieu pour tenir et pour suivre en fait la mise en œuvre en fait de ce plan de marque. Et en fait, c'est un sujet de process, en fait. On a mis en place une logique de process. On n'a pas vraiment d'outils au sens technique du terme, hein, parce que c'est quand même beaucoup d'intelligence, de savoir-faire marketing, etc., etc. Mais on a plutôt resserré les instances, l'outil diagnostic qui nous a permis, du coup, de rentrer, déjà de mélanger les expertises, marketing, médias, shopper, digital. Donc tout ça est réuni à un moment donné, à un moment clé, qui est toute la partie brand review qu'on fait avec nos marques. Et ensuite, quand on tire en fait, du coup, le brand plan, on a des instances très importantes qui nous permettent de garder la main en permanent en fait, sur cette espèce de to-do list qu'on a posée avec cet outil et qui nous permet d'avancer de manière très consistante. Donc c'est surtout une réponse d'orga, si je peux me permettre, oui. Et moins d'outils. On revient à la méthodologie. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ouais. Est-ce que ça suscite d'autres questions? Juste avant, non, oui, non. Ah, il y en a une. Merci. Très bien, c'était encore une question aussi sur Danone. En fait, je voulais savoir sur l'organisation, on parlait de l'organisation, mais aussi en termes de gouvernance. J'imagine notamment, là, on parlait aussi de partenariat avec Carrefour.
Donc j'imagine que c'est aussi difficile potentiellement de s'appliquer à d'autres pays, etc. Donc comment est-ce que vous faites? Et ça fait un peu lien avec ce que disait Yann avant sur la gouvernance. Comment est-ce que vous mettez en place toutes ces choses pour vous permettre de faire ça de manière scalable et aussi bah, du coup réglementaire, comme vous l'avez dit. Oui, absolument. Alors ça, c'est une très bonne question. Non, en fait, on est lié avec les équipes commerciales, en fait, sur cette partie notamment de data retail, hein, parce qu'en fait, on utilise la data de nos clients. Et aujourd'hui, ça rentre dans une logique de négociation qu'on a avec eux, bien évidemment. Donc dans les négos aujourd'hui qu'on a avec nos retailers, on a bien sûr nos produits, nos portefeuilles, mais on a maintenant et assez récemment des réflexions, des discussions autour de la data. C'est un modèle, enfin pour eux c'est le deuxième modèle, hein, voilà. Donc en fait aujourd'hui ils le mettent quelque part, si je peux me permettre de le dire comme ça, dans le panier de la mariée quand on s'entend en fait sur une année. Pour revenir sur le point local global, effectivement il y a des retailers qui travaillent plutôt au niveau international, sur lequel la France n'a pas d'impact particulier. Et effectivement, on attend les ententes globales, internationales, qui peuvent effectivement nous permettre du coup d'activer en local un certain nombre de choses. Et d'un point de vue de gouvernance aujourd'hui, ça changera peut-être demain, mais la gouvernance, elle est côté sales, pour être très honnête, parce qu'elle est liée à nos traités, elle est liée à la négociation qu'on fait avec nos clients. Tu as une nouvelle question. Oui, mais que se passe-t-il ? Tu as un peu répondu, mais je pense que du coup... Ah oui, pardon, la question. Bonjour Caroline, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur les use cases que vous avez mis en place pour faire le lien entre investissement média et achat en magasin? Ah, alors, ça, c'est un peu notre problème. En fait, on en a des super sur le papier, des use cases, vraiment super, plein même. En revanche, on en a en réalité très peu mis en place, si ce n'est en logique de Watchon que j'évoquais un peu avec le projet Minority Report, où effectivement, on en a fait un autre aussi avec Système U. Enfin, on essaye petit à petit de tisser un peu la toile. Aujourd'hui, en tous les cas, on n'a pas de temps réel. Donc, on n'a pas de mécanique ni d'outils qui nous permettent de le faire de manière régulière. Donc, depuis ces deux dernières années, on l'a fait deux fois, une fois par an. Et aujourd'hui, on n'a pas de lien. Hein. C'est fondamentalement notre problème, hein. Entre l'investissement média et l'achat en magasin. On réconcilie qu'a posteriori systématiquement la donnée. Et donc, on se dit plutôt des choses comme « Ah, oh, ça aurait été bien de faire. » Et on n'arrive pas aujourd'hui à se dire « On va faire les choses différemment demain. » Parce qu'en fait, on a la donnée, elle arrive à la fin. D'abord, quand on veut bien nous la donner, ça, c'est le premier point. Qu'on veut bien nous la donner dans le format qu'on peut exploiter, deuxième point. Et là, c'est un sujet de gouvernance aussi, c'est pas facile. Et troisième point, en fait, c'est déjà passé. C'est-à-dire que le time to market, il est déjà terminé. Donc aujourd'hui, ça, c'est notre principal problème. Le retail peut nous aider un peu, même beaucoup, sous réserve que l'ensemble de l'entreprise soit aligné sur cette mécanique de full funnel et qu'on mette suffisamment d'importance sur la partie conversion versus la partie awareness. Dans un écosystème budgétaire toujours contraint. Et voilà. Donc en fait, quand on met tout ça bout à bout, c'est pas forcément, l'équation n'est pas toujours très simple. Merci. Moi, j'ai une question pour Publicis, plus pour toi. Donc oui, il y a l'ère du retail, enfin il y a la vague du retail média, il y a aussi la vague de tout ce qui va se digitaliser d'un point de vue télé ou autre. Il y avait des tendances côté annonceurs et agences de splitter les expertises, d'avoir une agence expert search, une agence expert programmatique, une agence off ou autre. Le fait que la télé se digitalise, même si ça prend un peu plus de temps que prévu, les plateformes autres, comment vous organisez et quelles tendances vous voyez chez les annonceurs? Est-ce que du coup ces budgets off ou cette gestion off va passer par des experts digitaux? Est-ce qu'on va revenir plutôt à une agence globale qui fait tout? Et vous, comment vous êtes organisé aussi? Non, mais il y a les deux cas de figure. Fais un pitch. Il y a les deux cas de figure. Je pense quand même qu'on se dirige vers une centralisation au sein d'une même agence. Parce que nécessité de collaborer, d'échanger, d'une mesure unie et d'arbitrage pour faire justement les bons choix. Et que tout ça, ça se fasse avec un prisme commun qui est le consommateur et les besoins consommateurs.
Donc, quand c'est siloté, il y a des cas de figure, bien sûr, où le search ou même le SEO est dans une autre agence. Sa vie un peu à part, et même si on fait des meetings d'alignement, etc., ça manque de fluidité. Ça manque de fluidité. Et pour vous répondre, en interne, les équipes, elles sont assises ensemble, à côté. Il n'y a pas l'acheteur télé de son côté et puis l'acheteur télé digital, téléconnecté de l'autre qui ne s'adresse pas la parole et qui... ça ne fonctionne pas comme ça. C'est vraiment... on a des équipes vidéo qui se montent, entre guillemets, et donc qui opèrent les différents canaux, qu'ils soient digitaux ou non. Alors, évidemment, ça ne se fait pas en un jour, puisqu'il y a des questions de skills et de montée en compétences sur les différents leviers. Ce n'est pas des modes d'achat similaires. Mais néanmoins, puisque justement le point de départ, c'est le même, c'est le business avant tout et donc le consommateur ensuite, du coup, ça permet d'aligner pas mal de choses. En tout cas, moi, à titre personnel, je ne crois pas à l'efficacité de la dispersion des budgets sur les différents leviers dans différentes instances. Je pense qu'on perd énormément en efficacité et en occasion de faire des choses en plus assez novatrices. Et, voilà. Après, en réalité opérationnelle, c'est quand même aussi... Quand tu demandais par rapport au marché, il y a peu d'organisations qui ont fait le move que le roi Merlin a fait, ce que tu représentes aujourd'hui. Hein. Enfin, aujourd'hui, si on prend les grands clients qu'on opère, que ce soit CRM ou média, d'avoir mis les moyens moteurs sous une même responsabilité, ce n'est pas encore vraiment un dénominateur commun dans les organisations. Donc, en gros, c'est de se dire, dans les agences, les operating models, c'est un peu ce que disait Caroline, on a plein de use cases, on a du mal à les mettre en place, donc les operating models... de vision consolidée, massifiée, one partner, one team. En vrai, t'es plutôt en haut à droite dans une matrice que le dénominateur commun. Il y a quand même encore beaucoup. Et ce qui fait aujourd'hui se rapprocher, c'est aussi les outils. Donc il y a potentiellement, si demain, les outils un peu, alors peu importe si on les appelle CDP ou pas, mais en fait la partie audience est gérée d'un même endroit comme vous l'avez mis en place chez Leroy Merlin, là il y a un moment, du coup les compétences vont être de base et les process vont être obligés d'être factorisés, donc les équipes vont se rapprocher. Mais ça passe par les opérations. Et quand tu prends les grands clients, que ce soit dans le luxe ou même dans le retail, tu as encore quand même le média, la perf, tu as quand même le CRM, tu as la connaissance client, c'est pas forcément piloté par une même personne. Hein. En vrai. Un discours de vérité, quoi. D'où l'intérêt. Comment ? Les équipes, en effet, comme tu dis, ça fait des années que les agences médias mettent en place des équipes vidéo, parce qu'elles ont déjà bien conscience que même si les modes d'achat sont différents et qu'on a des modes d'achat qui viennent du digital, du programmatique, pour certains leviers, la catch-up, le display vidéo, pour autant, ces équipes-là, depuis toujours, elles travaillent côte à côte, comme tu le disais, dans les mêmes bureaux avec les équipes télé, parce que derrière, le contact, c'est un contact audiovisuel qui avait une qualité d'attention, un temps d'attention qui est peut-être pas tout à fait comparable. On a passé beaucoup de temps sur le marché à le mesurer, mais c'est du rapprochement de tout. C'est un peu ce que tu décrivais, c'est du rapprochement entre des compétences différentes autour d'un même enjeu qui est la qualité du contact entre le client final et la marque sur des supports vidéo qu'on va tirer de la valeur. Donc en effet, on est chez Publicis naturellement plus sur de l'intégration. De l'ensemble de ces Oui, et au passage, ça permet de compenser des organisations pas encore complètement matures côté client où c'est fragmenté. Si en plus en face c'est fragmenté, Mais ça évolue. Hein. Enfin, on a vu des évolutions. Coup, à la fois, en fait, nous, les deux accélérateurs qu'on voit, c'est vraiment la partie data et outils et maturité aussi du marché. Moi, j'ai une petite question. Enfin, j'ai deux questions. Est-ce que dans un groupe comme Dadone qui gère plusieurs marques, quand vous déployez un outil, vous le déployez en bêta test sur une marque et vous le déployez une fois que ça fonctionne sur toutes les autres, ou est-ce que dès le départ vous avez comme ambition de l'utiliser pour toutes les marques, et une fois que vous avez toute la donnée regroupée dans une seule dans une seule plateforme, est-ce que par exemple en termes de retargeting vous utilisez les audiences d'une marque pour une autre marque, parce que c'est la grande question de nos entités quand on a plusieurs entités, ouais, dans un groupe. Absolument. Alors, à la première question, non, on ne raisonne pas à la marque. On raisonne
éventuellement la catégorie, mais sinon on raisonne en entreprise globale. Donc non, on s'équipe pour l'ensemble, voilà, des besoins en fait de nos portefeuilles produits, voilà, très clairement. Ensuite, sur la manière dont on l'active et comment est-ce qu'on utilise la donnée d'une marque pour une autre. Là encore, hein, beaucoup de use case dans nos têtes. Vous imaginez bien que une maman qui déclare avoir effectivement mis au monde son bébé doit reprendre le travail et qu'à un moment donné, Activia peut avoir de l'intérêt pour elle au moment où elle décide de reprendre voilà, son travail. Donc il y a beaucoup de use case effectivement de journée qui arrivent dans nos têtes. On a deux grosses contraintes quand même pour faire ça. On a la contrainte réglementaire, ce que j'évoquais tout à l'heure. Donc on ne peut quand même pas tout faire, clairement pas. La deuxième donnée réglementaire aussi, notamment sur la partie first, c'est le fameux consentement. Quand c'est un consentement Blédina ou Galia, je n'ai pas de consentement Activia, donc je ne fais pas ce que je veux. D'où le fameux consentement Danone. Voilà, je regarde une partie de mon équipe qui est là-bas parce que c'est quelque chose qui est très, très important pour nous. Et aujourd'hui, effectivement, c'est une barrière d'exécution, on va dire ça comme ça. Donc on l'a testé. On teste beaucoup de choses aujourd'hui, notamment avec les outils d'automation emailing. Donc oui, on expose, par exemple, des parents d'Anonino à du Blédina. On va exposer de l'Evian, bien évidemment, à du laboratoire Galia. On va faire un certain nombre de choses comme ça. Ça reste du test and learn, pur et dur. On a l'avantage, et du coup, c'est peut-être juste un petit rebond final là, sur la partie commerciale, mais on a des D2C, on a des plateformes de direct-to-consumer. Notamment, on a une plateforme pour Blédina, pour Galia et pour Evian, qui s'appelle Evian chez vous, en l'occurrence. Et donc, on a, par bonheur, du coup, là, un full funnel complet, puisqu'on peut enfin démarrer du début et arriver jusqu'à la fin de l'achat. Donc, on teste beaucoup sur nos D2C, en fait, toute cette mécanique. Et donc, là, on arrive vraiment à avoir et à piloter la donnée jusqu'au panier moyen et à l'achat final. Donc, ça, c'est des choses, effectivement, qu'on a commencé, alors, depuis, effectivement, cette nouvelle organisation, depuis 2 ans, mais on a bien activé, quand même, tous les tests. Et c'est assez efficace, très, très clairement, c'est assez efficace, oui. C'est assez efficace. Ce sont d'abord des personnes, sont des consos qu'on connaît, qui ont déjà un historique avec nos marques. Quand, encore une fois, je reprends, hein, mais une question de moment, quand le moment est juste, au bon moment, on vient avec la bonne offre. Forcément, effectivement, ça marche plutôt très bien. Merci. Ah, il y a une dernière question. Je pense que c'est pour toi encore, Lynn. Bah oui, brand manager, je pense que... Ah, on peut l'avoir aussi chez... Ah, c'est pour Dan. Alors, par quel moyen discours KPI sensibilisez-vous les directeurs marketing et équipe brand manager sur les sujets data first party? Ça, je sens que cette question... Hors use case et approche... Elle vient de Danone, en fait, cette question. Ouais, c'est ça. C'est une question piège. Alors, quel moyen, quel discours? Alors, déjà, ce que j'évoque, si je reprends un tout petit peu un pas de recul, hein, effectivement, la first, avec toute cette mécanique qu'on a maintenant avec le média, reprend de l'importance. Et donc, c'est effectivement des discussions qui sont beaucoup plus pratiques. Enfin, c'est plus simple maintenant, effectivement, avec cette dynamique de pouvoir reparler de la first, de pouvoir discuter. La partie KPIs, effectivement, elle est un peu complexe parce que, en fait, ça revient à mon point de tout à l'heure, qui est c'est quoi la valeur business de la first? Et quand, effectivement, on est dans une organisation où on n'a pas directement la valeur finale, quelque part, de l'achat, c'est des discussions qui sont assez compliquées. Après, on a, nous, quelque chose qui est très important chez Danone, qui est ce qu'on appelle la fameuse brand equity, c'est quelle est la valeur de ma marque. On est, depuis très longtemps, équipé d'études qui nous permettent de quantifier, de capitaliser, en fait, cette equity. Et on avait pour, heureusement, entre guillemets, un peu principe de travailler et de regarder l'impact de nos programmes relationnels, notamment vis-à-vis de cette equity. Et donc, on a toujours des rankings qui sont très, très bons. On a toujours des études qui sont très, très bonnes. Donc, on sait que sur cette dynamique de first party, on a des liens qui sont très forts sur cette partie equity et brand awareness, entre guillemets. Depuis, effectivement, quelques années maintenant, on se pose la question du business. Et là, effectivement, on a d'autres questions. Nous, on y répond aussi beaucoup par des sujets d'équipement. Il nous faut les outils qui vont nous permettre de mesurer. Il nous faut travailler en fait différemment par rapport à la manière dont on préempte jusqu'à présent nos campagnes de communication, à la manière dont on s'adresse à nos consommateurs.
C'est vraiment des questions qui sont sur la table. Il n'y a pas de tabou particulier. Il faut laisser du temps au temps aussi pour laisser les équipes marketing maturer un peu. Cette transformation, elle est forte hein, pour ces équipes marketing. Ils ont des modèles en plus d'activation qui sont souvent très... c'est pas du tout péjoratif dans ma bouche, hein, mais c'est assez basique. C'est-à-dire je mets de l'argent en média sur la télé et je vois quasiment immédiatement mon impact en magasin physique. Hein, c'est assez classique. Ça, c'est en train de se chambouler, hein, et pas que sur la catégorie SN, mais aussi sur les catégories Dairy et Waters. On voit bien que les modèles ne sont plus aussi unilatéralement activables comme ça. Donc, ça chamboule pas mal de choses. Et donc, voilà, ça, c'est pas mal de discussions qu'on a. Moi, le KPIs aujourd'hui sur la partie first, il est effectivement equity. Et puis, sur nos D2C, maintenant, il est business. On arrive effectivement à remonter de la data business, en fait, à nos brand managers. Merci. Le fameux sondage qui était considéré ou votre entreprise comme mature sur l'interaction CRM et média, et 57% aujourd'hui se considèrent, des répondants, se considèrent peu matures. Voilà, donc on espère que à travers les trois premières présentations, on a pu susciter des idées, des initiatives. Encore un grand merci à tous les trois de votre partage. Je crois qu'il y a une pause de 10 minutes et puis une petite pause de 10 minutes pour repartir. Merci beaucoup. Bonjour à tous, on recommence. La pause est terminée dans la salle et à distance. Presque terminée. Complètement terminée, on y va. Alors merci à tous les participants aujourd'hui. On a évidemment une keynote de fermeture, comme vous le savez, pour ceux qui sont assidus de l'Epsilon Day, notre keynote de fermeture, comme le disait Nicolas. Il nous tient à cœur que ce soit l'occasion de donner la parole à un acteur de la recherche, de l'enseignement, à une institution. On est ravis d'accueillir Zisla Belia aujourd'hui, qui est membre du conseil scientifique de l'IREP. Tu nous diras dans 2 minutes ce qu'est l'IREP exactement, qui est aussi professeur associé à Paris Panthéon Assas, qui d'ailleurs, tu me le disais tout à l'heure, a été professeur en organisation. Conseil en organisation et structure. Et qui est présidente de MMZM Conseil. Zisla, bienvenue. Ton regard, en effet, scientifique, fait que tu as, je crois, pris beaucoup de notes pendant les précédentes interventions. Trop. Et que celle-ci va être très riche également. Est-ce que tu peux commencer par nous présenter l'IREP et le conseil scientifique de l'IREP ? Oui, parce que je vais en profiter pour faire un peu de CRM, de one-to-one, pour vous inciter à nous connaître un peu mieux. Alors, blague à part, l'IREP, mais ce n'était pas une plaisanterie en fait. L'IREP est une association interprofessionnelle qui regroupe à peu près une centaine de membres et qui a vraiment pour vocation une indépendance totale. Donc je dirais absolument ce que je veux, Laure, prépare-toi à ça. Interprofessionnelle et indépendance parce qu'on regroupe à la fois des marques, pas assez certes, mais des marques, des agences, des régies, des écoles et des universités, des sociétés d'études, bien entendu toutes les entreprises des nouvelles technologies, et puis des institutionnels. Alors, qu'est-ce que l'IREP ? Qu'est-ce que cet acronyme ? Le R, on y tient beaucoup, c'est recherche. Et si ça veut dire institut de recherche en études publicitaires, c'est aussi l'acronyme d'intelligence, recherche, expertise, prospective. Alors, qu'est-ce qu'on fait à l'IREP ? Quelles sont nos missions ? Donc, dans ce cadre d'expertise, de connaissance, d'indépendance, de neutralité, et on a plusieurs activités, des séminaires qu'on appelle des forums sur des formats d'une demi-journée, et des formats un petit peu plus courts, les afters et les petits-déj pour ceux qui ont un petit peu moins le temps, et puis sur des sujets très pointus. Neutralité, caution, on est tiers de confiance pour la mesure du marché publicitaire en net. C'est nous qui publions les résultats en net des investissements publicitaires des différents médias. On est dans ce cadre-là partie prenante du bump, donc cette mesure du marché pub qui intègre d'autres dimensions que les seuls médias, les seules recettes des médias. Et fort de tout cela, nous avons une base documentaire extrêmement riche. Tiens, d'ailleurs, un petit peu d'IA générative là-dedans, ça pourrait peut-être être bien aussi.
Cette base regroupe les conférences, les forums, les différents papiers qu'on a pu éditer et avoir au travers de nos différents intervenants au fil du temps. Donc c'est vraiment extrêmement riche et il y a pas mal de choses sur le CRM d'ailleurs. On en reparlera peut-être et on s'appuie évidemment classiquement pour une association. Puis après, c'est promis, on parle de CRM. On s'appuie sur un conseil d'administration, un bureau, le conseil scientifique dont tu as la gentillesse de parler. Et puis, c'est animé par trois permanents. Et puis, un président, Éric Trousset, et la directrice déléguée, Christine Robert, qui est présente ce matin. Voilà. Vous Merci savez beaucoup. Tout, presque. Venez. Encore une fois, on est ravis. Il y a des brochures. Il y a des brochures qui ont été laissées. Encore une fois, parce que plus de marques présentes et participatives à l'IREP fait que ce rôle de conseil, de neutralité, sera d'autant plus intéressant et valorisé, j'imagine. Absolument. Alors, on a beaucoup parlé de CRM, c'est vrai, de médias, et surtout de l'interaction entre médias et CRM. À l'IREP, avec ce regard scientifique et avec ce regard neutre et caution, comment vous définissez le rôle de chacun des points de contact? Oui, c'est ça, c'est-à-dire que CRM, média, tout ça, ce ne sont que fait de les ramener ensemble, ce ne sont que des points de contact. Alors une fois qu'on a dit ça, c'est comme leur nom l'indique, c'est-à-dire que le rôle, c'est de mettre en contact un message, au sens très large, un message, on verra tout à l'heure, un message et un public cible. Alors, dans ce cadre, il faut bien se rendre compte que finalement, CRM, médias, ce ne sont que des moyens. Ce ne sont que des moyens pour qu'il se passe quelque chose ensuite. Ce ne sont que des moyens au service d'une stratégie. Des moyens pour qu'il se passe quelque chose. Qu'il se passe quoi ? Ça dépend des objectifs qu'on assigne aux différentes phases de la communication. Donc le CRM, les médias, c'est jamais que des points de contact qui vont répondre à des objectifs différents. Donc si derrière le mot rôle, la question que tu poses, c'est est-ce qu'il y a des objectifs différents en fonction des points de contact, je vais dire, donc en fonction des CRM et médias, je vais dire oui et non. Forcément, il y a des objectifs différents. Hein, on le sait, c'est très classique. Le CRM, je vais schématiser énormément par rapport à ce qui a été fait ce matin, mais le CRM, on va plutôt avoir envie de fidéliser, de faire racheter, de personnaliser un discours, un message, etc. Le média, on va forcément aussi être un petit peu plus large, on va pouvoir aller chercher des prospects. Tu me diras peut-être avec le CRM aussi, on peut se poser la question, mais voilà. Et puis, il y a tous les autres points de contact qui ont chacun leurs objectifs, le packaging, la boutique, etc., etc. Donc finalement, ce qu'on veut, c'est créer de l'attractivité pour la marque auprès de différentes cibles. Alors la question, évidemment, qu'on va se poser assez rapidement et qui a été abordée ce matin, c'est est-ce qu'on va pouvoir mesurer ce rôle, le graduer, l'appréhender et puis rendre à chaque César ce qui lui revient. Évidemment, ça, c'est pas forcément simple, mais on y reviendra. Alors, et finalement, tu rejoins ce qui était dit tout à l'heure, évidemment, puisque du point de vue du consommateur, en effet, quel que soit le point de contact, c'est un message, une interaction, une occasion de voir la marque. Et en effet, chacun va jouer un rôle. Et ce qui, à cet instant-là, se joue entre le consommateur et la marque, c'est lié, évidemment, à la qualité de ce point de contact. Je vais le redire à chacune des questions que je vais te poser, parce que ce regard est important. En tant qu'organisation interprofessionnelle, en tant que caution et tiers de confiance, comment vous, à l'IREP, vous recommandez de définir la qualité d'un point de contact? J'imagine que c'est un indicateur qui est évidemment important pour des annonceurs et des marques qui se posent, c'était ce que disait Caroline tout à l'heure, la question du choix de ces points de contact au quotidien. Alors, il y a plusieurs choses qui ne sont pas simples, mais ce n'est pas parce qu'on ne prend pas les choses à bras le corps qu'on ne va pas y arriver. Et c'est justement parce qu'on va prendre à bras le corps la complexité des choses qu'on va espérer peut-être apporter des réponses à ces questions apparemment simples. Une chose importante pour laquelle il faut commencer, je vous disais tout à l'heure, vous le savez, mais je le répète, les points de contact, c'est un moyen, c'est une condition nécessaire pour qu'il se passe quelque chose. Déjà, est-ce qu'on peut, avant de parler de la qualité, est-ce qu'on va pouvoir mesurer le contact? Est-ce qu'on va pouvoir mesurer l'exposition?
Oui, sans doute, sauf que, et puis on en a pas mal parlé à la fin, et j'ai pris plein de notes et j'ai trouvé ça tout à fait passionnant, ça vient en écho du fait que la façon de mesurer l'exposition va être déjà radicalement différente d'un point de contact à un autre. Je ne veux même pas parler de médias, mais c'est quoi le gradient, l'unité de mesure de l'exposition ? Packaging, CRM, médias. Alors on va penser au GRP pour médias, oui, mais là-dedans, il y a du retail média, etc., etc. Donc déjà, là, mais posons les questions et après, on pourra les squeezer à bras-le-corps, si j'ose dire, chacune après l'autre. Après, on peut se demander si cette exposition se fait dans un contexte suffisamment qualitatif. Tu parlais de qualité. Mais qu'est-ce que ça veut dire, qualité ? Est-ce que c'est de qualité parce que ça va être efficace ? Peut-être. Mais en tout cas, il faut déjà définir la qualité. On a commencé par se dire qu'il fallait définir l'exposition. On n'a pas fini. Hein. Maintenant, il faut définir la qualité. Et si c'est l'efficacité, ben, chacun a son critère d'efficacité en fonction du moment de sa campagne, en fonction de ses objectifs. Donc normalement, quand on est assez clair dans sa tête, ce n'est pas toujours le cas, mais quand... Je t'ai dit que je dirais ce que je voudrais. Quand on est assez clair dans sa tête sur les, sur les objectifs, normalement, on est clair dans sa tête sur les critères, sur les KPI, donc sur l'efficacité. Mais en tout cas, on se dit malgré tout, et c'est vrai que d'ailleurs, ça a été un des derniers forums de l'IREP en avril dernier sur la qualité et l'efficacité pour se demander si c'était lié et si... il y avait quelque chose à faire de cette notion-là. Ce qui est ressorti de ce forum, c'est qu'une espèce de... une nouvelle condition nécessaire et pas suffisante de la qualité, c'était l'attention portée au message, vous allez me dire. Oui, mais à message équivalent, est-ce qu'on porte la même attention pour un point de contact ou pour un autre ? Et puis c'est bien ça la question qu'on se pose. Même si le message est absolument essentiel, est-ce qu'un point de contact est susceptible de générer davantage d'attention qu'un autre, et peut-être qu'on peut se dire que un des premiers éléments de mesure de la qualité des points de contact, donc du CRM d'une part, des médias d'autre part, et de tous les autres points de contact, c'est peut-être la question de l'attention, puisque à partir de l'attention, vous tirez un fil qui va vous amener assez loin. L'attention va générer de la mémorisation, ça se démontre, hein, c'est assez direct d'ailleurs. Et puis, on parlait des bébés tout à l'heure, mais si vous avez des enfants, vous savez à quel point le fait qu'ils soient attentifs à l'école va permettre qu'ils mémorisent ensuite les cours. Et ben, c'est pareil en publicité, finalement. Et attention, mémorisation. La mémorisation, et ça, c'est les sciences cognitives qui nous l'apprennent, débouche sur une plus grande familiarité à l'égard de la marque, qui, à ce moment-là, cette familiarité, peut conduire à davantage de préférences. Donc on voit bien que ce critère d'attention est absolument essentiel et ça pourrait être une espèce de socle de mesure de la qualité. Et d'ailleurs, parce que là aussi, ça n'est pas encore suffisamment homogène, chacun y va de sa mesure de l'attention comme chacun y va de sa mesure en retail média et ça pose un certain nombre de difficultés évoquées tout à l'heure. Bah justement, l'IREP, en relation avec le CESP, travaille à monter des groupes de travail interprofessionnels sur le sujet de l'attention pour essayer de voir si ça peut permettre d'avoir quelque chose d'un petit peu plus à la fois consensuel, homogène et transversal, qui est un mot dont on va pouvoir parler également pas mal, j'imagine. Alors, pour revenir aussi quand même un tout petit peu au message, parce que finalement, le message fait quand même beaucoup, qui dit message dit créativité. Il faudra aussi, en termes de qualité, se poser la question de la qualité du message. Et est-ce que, d'ailleurs, il y a eu un papier à l'IREP, mais il y a une petite vingtaine d'années, on le retrouve dans la base ComSearch sur créativité et CRM, ou CRM et créativité, je ne sais plus dans quel sens il l'avait mis, enfin peu importe. Est-ce que la force de la créativité est supérieure à la force du point de contact ? Vous avez 4 heures. Voilà. Est-ce que j'oublie des choses avec toutes les notes que j'ai prises tout à l'heure ? Bah, derrière ta question sur la qualité, la façon dont on voit à l'IREP la qualité d'un point de contact, bah, y a une question qui n'est pas anodine du tout qui se pose. C'est pourquoi est-ce que je me poserais la question justement de la qualité des points de contact ?
qu'est-ce que je veux en faire et à quoi ça me sert. Est-ce que finalement, ce que je cherche, c'est à les comparer, à les hiérarchiser? Ben là, il va falloir effectivement retrousser ses manches et se poser la question, ben, comme pour l'attention, comme pour l'exposition, est-ce que je peux vraiment comparer? Est-ce que je peux cumuler? Est-ce que... Voilà. Mais si derrière ta question, il y a aussi celle-là, ben, ouais, on va essayer de voir si on peut y répondre, effectivement. Il y a évidemment aussi celle-là, hein, quand on se dit à périmètre budgétaire contraint, quel choix en tant que marque je dois faire. Moi aussi, tu vois, je vais me permettre de rajouter des choses parce que j'ai pris des notes aussi pendant la matinée. J'imagine que quand on ajoute dans l'échiquier les nano-influenceurs, les communautés, ce dont parlait Thomas ce matin, là, l'attention, elle a encore... une définition, en tout cas, elle est là pour le coup entre le message et le contenant et l'émetteur. On a encore une dimension supplémentaire à l'attention qui est générée par le consommateur final ou en tout cas par celui qui est exposé à ces nouveaux types de points de contact, puisque ce sont aussi des points de contact. Et ben, le mot qui ressort de ta réponse, je pense que c'est le mot transversal, exactement. La question qu'on se pose, qu'on s'est un peu posée ce matin avec les différents intervenants, on a eu des éléments de réponse, c'est est-il réellement possible, que dit l'IREP sur le sujet, de mesurer transversalement, enfin de manière transverse, l'efficacité de tous les points de contact? Et oui, bien sûr, j'aimerais beaucoup pouvoir les hiérarchiser. Alors, ça pose la question de sur quel indicateur les hiérarchiser. Est-ce qu'on a vraiment envie de les hiérarchiser tous sur un seul et même indicateur? Comment on fait? Quelles questions il faut se poser pour bien le faire, si tant est que ce soit possible de bien le faire? Alors, est-ce qu'il est possible d'avoir une mesure transverse qui permette de comparer, etc.? La réponse est oui, c'est possible. Théoriquement. Ce qui veut dire que, est-ce que, à la question, est-ce que c'est toujours possible? La réponse est non, ça dépend. Est-ce qu'un non peut devenir un oui? La réponse est oui, surtout s'il y a l'organisation qu'il faut derrière. Bon, enfin bon, bref. Je vais développer un petit peu. Pour cette mesure, en fait, il faut que la mesure de l'efficacité soit efficace. C'est-à-dire que ça serve. Mais efficace, pour quoi faire? Qu'est-ce qu'on veut faire, effectivement? Est-ce qu'on veut juste comparer? Et si on veut comparer, c'est pourquoi? Donc, en fait, si tu veux, il faut se poser des questions, se poser des bonnes questions. Parce que quand on se pose mal une question, ben on y répond mal. Une question mal posée conduit à un problème mal résolu, voire pas résolu du tout, voire même avec des réponses erronées. Donc, on va rentrer un peu dans ce détail des questions, mais c'est bien ça. Il faut se poser correctement les bonnes questions pour bien y répondre. J'ai l'air de faire un peu le prof. Mais bon, on ne se refait pas hein, en même temps. Et alors, dans les questions, il y a vraiment qu'est-ce que je veux en faire? Est-ce que je veux juste comparer mes points de contact? Est-ce que je veux pouvoir cumuler pour avoir une vision de performance globale? Est-ce que je veux faire un diagnostic de ce qu'il s'est passé? Est-ce que je veux pouvoir anticiper, prévoir, en modulant différemment la répartition de mes points de contact, essayer d'optimiser et de m'améliorer. Si on est clair dans l'usage qu'on veut faire, sachant que la réponse peut être tout, hein, ça peut être je veux tout faire, je veux diagnostiquer, comparer, etc., est-ce que je veux allouer des budgets, eh bien, si on est clair, on va pouvoir mettre en place un outil ou un autre. Mais il n'y a qu'une fois qu'on a répondu correctement aux questions, une seule encapsule le tout, c'est mais qu'est-ce que je veux faire? Pourquoi je me pose cette question? Qu'on peut trouver là où les bonnes méthodes pour y répondre. Alors, venons-en aux questions. La première d'entre elles, c'est quel est mon critère? Quel est mon KPI? Sachant que on va essayer d'éviter quand même de dire ben, mon KPI, c'est tout. C'est tous les KPI. C'est pas possible. Bien sûr, on sait bien, tout le monde, au bout du bout de l'histoire, veut vendre. Mais on sait bien aussi comment se construisent des campagnes de communication qui commencent peut-être par une phase selon la vie du produit, innovation, repositionnement, etc., par des questions d'image, de notoriété, je le dis exprès dans le désordre, et puis au bout d'un moment peut-être de recommandation, d'achat, de réachat, etc. Donc il peut y avoir des vagues différentes. Donc dans une vaste campagne de communication, on peut avoir des objectifs et des KPI différents. Donc une fois qu'on a été capable de savoir quel est le critère d'efficacité
qu'on veut suivre, on est déjà un petit peu plus confortable. Après, est-ce que je veux connaître ou pas la part qui est prise par les différents messages par rapport au point de contact, c'est-à-dire la part relative de ce qui revient à la façon dont je dis les choses par rapport à là où je parle. Et est-ce que je veux connaître la part relative prise, enfin les différentes contributions finalement et ROI derrière des différents points de contact. Est-ce que également je suis capable de, c'est presque pas une question, c'est presque une bonne pratique, c'est est-ce que je suis capable de prendre en compte les aléas de ma vie de marque dans ce que ça peut avoir de plus ou moins prévisible, la météo, la saisonnalité, et de plus ou moins imprévisible, et Dieu sait si on en a connu récemment de pas mal dans le genre. Et puis, question qu'on a largement abordée, mais rappelons-la quand même, est-ce que j'ai les données pour faire ça? Est-ce que je les ai? Est-ce que je sais où elles sont? Est-ce que je peux les rassembler? Après, elles ne sont peut-être pas homogènes, on connaît les 3, 4 ou 5 V des big data. Est-ce qu'elles sont conservées quelque part suffisamment longtemps? Qui les a? Où sont-elles? Est-ce qu'elles sont de qualité suffisante? Et si oui, alors à ce moment-là et à ce moment-là seulement, quel outil de mesure est-ce que je vais utiliser pour cela? Alors dans ce cas-là, et dans ce cas-là seulement, effectivement, il est possible de répondre à cette question de mesure transversale capable à la fois de comparer, de hiérarchiser, de faire le diagnostic, le bilan de ce qui a été fait, d'avoir un peu de prospective, de prévision. Enfin, je ne vais pas vous faire un cours sur la modélisation, mais c'est bien ce dont on parle. Hein. On parle des MMM et de la modélisation. Et c'est vrai que ça permet ça. Alors, comment s'assurer que c'est bien et correctement mené, ces MMM? À l'IREB, justement, on a, en partenariat avec certains de nos membres, on a réalisé une vidéo très succincte, hein, ça va très vite, ça tient sur un YouTube assez rapide, vous pouvez le trouver assez facilement ou on vous le donnera, qui donne quelques éléments de bonne pratique en matière de MMM. Donc tu vois, la réponse est oui, c'est possible de mesurer transversalement. Il faut quand même être un petit peu précautionneux. Ce n'est pas difficile d'être précautionneux. Il faut juste en avoir la volonté. Et je pense que si on a la volonté, vraiment, profondément, de répondre à cette question de la mesure transverse, bah, le reste, ça suivra. Précautionneux et déterminé, quand même, avec tous les toutes les conditions. Ah oui, déterminé, mais on en a parlé, de la détermination dans la transformation de tout à l'heure. Est-ce que, même si il faut choisir un indicateur principal, un KPI principal, on ne se dit pas qu'aujourd'hui, les MMM sont capables de prendre des indicateurs intermédiaires, puisque je me mets à la place des marques qui sont dans la salle. On a rarement... Bien sûr que le juge de paix, c'est la vente, le business, mais... Ça doit se faire via, et Paul Amoril disait tout à l'heure, la marque, ça fait du business. Donc l'image, en effet, tu l'as dit dans le désordre, mais l'image de marque, la notoriété, les intentions sont aujourd'hui des choses qui sont mesurables et qui sont intégrables dans ces MMM pour voir un effet direct sur le business, mais travailler aussi ses parcours et ses effets indirects. Alors, le MMM, très souvent, il va traiter les ventes. Il va traiter les ventes, donc il va vous expliquer ça en long, en large et en travers. Le MMM pourrait aussi, j'y vais progressivement, pourrait aussi expliquer la notoriété ou l'image. Ça vous fait rire? Si, je vais passer au tableau après, t'inquiète pas. Donc le MMM, il pourrait aussi expliquer l'image. Mais, ouais, mais à quoi ça sert d'expliquer l'image, puisque au bout du bout, nous, ce qu'on veut, c'est des ventes. Là où c'est intéressant, le MMM, c'est qu'il arrive à croiser les deux, s'il est correctement mené, hein, s'il se donne la peine de croiser les deux. C'est-à-dire qu'il est possible de voir, vous parliez, c'était, je ne sais plus qui parlait de socle, je crois que c'était vous, Paul Amoret, qui parliez de socle des ventes, donc cette espèce de force de la marque. Il est tout à fait possible, avec la bonne mesure et les bons modeleurs, de voir de quelle façon l'image à plus long terme va contribuer, ou la notoriété, ou la considération de marque, hein. Puis on peut tester tout ça pour voir lequel de ces critères contribue à plus long terme à faire en sorte que vous ayez une base beaucoup plus solide, c'est-à-dire un socle. Ah oui, c'est vous qui faisiez comme ça
des guillemets derrière les ventes naturelles qui ne sont jamais si naturelles que ça, puisque ces ventes dites naturelles sont créées par tout le travail publicitaire qui a été fait et d'autres types de travaux d'innovation, marketing, etc., qui ont été faits pendant des années et des années. Mais quand on est capable de décomposer ce qui, dans les ventes, provient de la construction à long terme grâce à l'image ou la construction de, ou la considération de marque ou la, et la notoriété, alors là, on est beaucoup plus fort. D'abord, on peut venir défendre auprès de ces directions financières le fait de faire des campagnes d'image, démontrer que ça sert à quelque chose et en quoi ça sert à quelque chose. Et là, je vais peut-être dire un truc qui ne va pas moins plaire à une agence, c'est que plus le socle est fort, parce que on a le socle de vente dite naturelle, parce qu'on aura vendu beaucoup de, parce qu'on aura fait beaucoup de d'images, et moins on aura besoin de dépenser en médias pour avoir des ventes incrémentales. Après, on peut aussi être heureux d'en avoir encore davantage. Mais enfin, voilà, ce croisement d'idées entre ce que peut faire prétendument à court terme un CRM et ce que peut faire prétendument à long terme un média, eh ben on peut en mesurer les effets croisés. Et pourquoi je dis prétendument ? Ben parce qu'en réalité, qu'on le veuille ou non, que ce soit notre intention ou non, le CRM, il va faire de l'image et la campagne d'image, elle va faire des ventes aussi. On revient à des rôles qu'on peut vouloir définir, en tout cas des objectifs qu'on peut vouloir assigner, mais des points de contact qui sont finalement assez indépendants et autonomes et qui ont tous un impact sur l'ensemble des indicateurs. D'où l'importance d'une mesure transverse. Alors il y a le MMM, il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Ce qui est important, c'est d'être capable. Il y a vraiment une petite expression clé que j'aime bien parce qu'à chaque fois, on peut se demander est-ce que mon étude, elle me permet de travailler comme ça ou pas. C'est le « toutes choses égales par ailleurs ». Parce que si on veut comparer, c'est forcément toute chose égale par ailleurs. Sinon, on compare des choux et des carottes. Alors certes, ça fait des légumes, mais c'est peut-être pas ça qu'on cherche. Est-ce que d'autres choses t'ont fait réagir ce matin avant de te poser une question justement sur l'impact de long terme qui est... Ah oui, je savais que tu allais me parler de l'impact de long terme. Donc je m'étais dit, bon, c'est là que j'en parlerai. Mais oui, il y a une chose qui m'a frappée, c'est quand on a parlé d'organisation, quand on a parlé de gouvernance, mais j'y reviendrai hein, sur le long terme d'ailleurs. En fait, c'est vrai que c'est essentiel d'avoir conscience de tous les freins qui peuvent exister dans une politique de transformation, qu'elle soit au service des data ou qu'elle soit au service d'autre chose. Il y a un frein que vous avez abordé avec beaucoup de pudeur, mais comme moi je suis pas chez Publicis, je vais mettre les pieds dans le plat. Et ce frein-là, c'est le frein des précarés. Vous avez employé une expression presque similaire. Et je vais encore appuyer un petit peu plus fort là où ça fait mal. C'est le frein des enjeux de pouvoir. Et c'est vrai que si dans l'entreprise, et ça déborde très largement du cadre des data, d'organisation autour des data, si dans l'entreprise, il n'y a pas un leader, un leadership, hein, que vous écriviez bien tout en haut, là, c'est très très important, un leadership qui fait qu'il y a vraiment quelqu'un, allez, au hasard, un patron, qui emmène tout le monde dans cette aventure, justement, ne laisse pas s'exprimer ses enjeux de pouvoir, ben, ça va être très compliqué. Ça va être très compliqué. Mais on est tous des gens extrêmement bienveillants et tout à fait prêts à... Enfin, souvent, d'ailleurs, le problème ne se situe pas forcément au niveau des directions opérationnelles. Mais bon, encore que. Voilà. Petite chose que je voulais dire. Il y a un cocktail après pour poursuivre la conversation ouais. De manière plus partager tes retours d'expérience. Alors je vais rester sur cette question de long terme et revenir sur CRM et médias, sur cette interaction dont on dit qu'elle compte et dont on a vu toute la matinée qu'en effet elle comptait. Qu'est-ce que, avec le regard de l'IREP et avec le regard du professeur que tu es, qu'est-ce qui peut être aujourd'hui une et au-delà du leadership que tu viens déjà d'évoquer, qu'est-ce qui peut être aujourd'hui une condition
qui fasse que cette interaction-là spécifiquement, tout ce qu'on en a vu en ciblage, en data, en mesure, soit un vecteur de croissance pour les marques, de croissance pour les entreprises. Alors, je vais faire un petit peu de novlangue hein, pour répondre à ça. Alors, ce n'est pas pour être prétentieuse, certainement pas, hautaine ou autre, c'est juste pour le moyen mnémotechnique. Vous avez probablement tous appris dans vos cours de marketing opérationnel qu'il y avait la théorie des 4 P. Moi, je vais vous parler non pas d'une théorie, mais des 3 C. C'est quoi les 3 C? Ça vient justement en écho à ce que tu viens de dire. C'est convergence, connexion et cohérence. Alors, pourquoi je vous parle de ça? Eh bien, je vais faire un autre petit détour du côté du consommateur. Je vais pour vous dire, avec beaucoup de gentillesse et de tendresse, que le consommateur, c'est un peu comme un enfant, mais dans tout ce que ça a de formidable, un enfant. C'est-à-dire qu'un enfant, ça voit tout, ça ressent tout, et il en a conscience ou pas, mais il en fait quelque chose de ce tout qu'il voit. Eh bien, dès lors qu'il y a absence de cohérence, de connexion et de convergence, bah ça se passe mal. Comme pour les enfants, c'est pareil. Donc ça se passe mal avec le consommateur. Pourquoi est-ce que je vous parle de ça à propos de notre sujet d'aujourd'hui ? Eh bien, c'est parce que pour que les choses fonctionnent bien à long terme, il est nécessaire, parce que qu'est-ce qui se fait à long terme ? C'est la stratégie. Le reste, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est les moyens pour y parvenir. Donc si on n'est pas en permanence au service d'une stratégie, je ne veux pas employer le mot fil rouge parce que ça peut être ambigu par rapport à d'autres sujets, mais c'est quand même un petit peu l'idée, c'est le gardien du temple, la stratégie. Si on n'est pas en cohérence permanente avec cette volonté d'être attentif à cette cohérence permanente à la stratégie, ben on se plante complètement et on se met à dire et à faire n'importe quoi et on tombe sur ces moments de doute qui, pour le consommateur, sont extrêmement néfastes. On sait bien que les messages pourraient être contradictoires. Bien sûr, nous, dans nos entreprises, on fait en sorte que ce ne soit pas le cas. Mais on a tous en tête des cas où, par exemple, une offre... Vous parliez tout à l'heure d'étanchéité entre les cibles. C'est impossible, malheureusement. On aimerait bien. Mais on a tous en tête ces cas d'offres pour des nouveaux clients qui sont extrêmement alléchantes, les clients anciens fidèles et en ayant eux juste le droit de payer 20% de plus que le nouveau client. Donc ça, c'est évidemment une catastrophe, c'est pas cohérent, c'est un vrai problème. Alors là, je pense qu'il en a conscience, le consommateur, il peut être extrêmement négatif sur le sujet. On a aussi en tête probablement tout ce que peut délivrer, je vais parler d'un autre point de contact que le CRM, toute l'image que peut délivrer le packaging. Hein. Aujourd'hui, on parle beaucoup de shrinkflation, donc ces réductions de packaging, ça fait quelque chose aux consommateurs. Si dans le même temps, il y a un discours de bienveillance, de RSE et tout ce que vous voulez, forcément, il y a un moment, et là, il en a peut-être un peu moins conscience, mais là, ça peut être assez dramatique à plus long terme. Donc à plus long terme, la cohérence, la convergence et la connexion, je vais y venir, c'est absolument essentiel, parce que sinon, qu'est-ce que se dit le consommateur ou qu'est-ce qu'il nous fait ressentir? Ben, il nous dit, surtout quand il a face à lui une opération de CRM, donc comme vous l'avez dit, il se fiche complètement de savoir si ça s'appelle CRM, pub, boutique, packaging, etc. Il se dit, mais attendez, vous me demandez de vous être fidèle, mais vous ne m'êtes pas fidèle. Donc pourquoi est-ce que je le serais? Voilà. C'est une évidence. Si on veut avoir cette cohérence, cette convergence du CRM et du reste, eh bien, il faut réfléchir tous ensemble. Et on y revient à ce sujet de l'organisation et de la cohérence, et de la gouvernance. Il faut réfléchir tous ensemble. Sinon, le risque, il est évident que dans chacun des silos, eh bien, on va faire chacun ce qu'on veut avec son objectif, son petit objectif à soi. Et on ne sera peut-être pas au service de la big stratégie et on ne s'inscrira pas dans une performance à long terme. Donc ça veut dire qu'il faut connecter les silos, pas les casser, parce que l'expertise de chacun est essentielle et il faut la préserver. Donc il faut connecter les silos. Donc ça veut dire, dans bien des cas, revoir l'organisation. Voilà, on en a parlé, revoir l'organisation. Je dirais,
Et cette organisation qui va permettre qu'on communique, qu'on se communique les données dont on a tant besoin, qu'on se communique les données, qu'on se parle, qu'on accepte de voir ce qu'ont le droit d'investir les autres par rapport à moi. Et c'est vrai que parfois, les MMM sont des moments où des gens qui ne se rencontrent jamais dans l'entreprise se rencontrent et parfois découvrent, pas toujours avec bonheur, mais c'est comme ça, découvrent ce que les autres ont le droit d'investir, ce qu'ils gagnent en contrepartie. Et c'est l'occasion, cette transparence-là, hein, je ne suis pas forcément favorable à n'importe quel type de transparence, pas forcément dans tous les domaines politiques, mais ce n'est pas le sujet, je crois. Bref, c'est cette transparence-là qui peut permettre effectivement de s'inscrire à long terme. Et je dirais se parler, se connecter, y compris avec les agences, plus largement, y compris avec tous les partenaires. Et ça renvoie aussi, d'ailleurs, à une des questions qui a été abordée tout à l'heure, et comment ça se passe dans l'agence ? Est-ce que c'est une agence unique qui fait tout ? Mais on ne va pas aller raconter, alors ça c'est ma conviction profonde, IREP / Dyslabellia, c'est pas lié à vous, hein, ça m'est égal. Ma conviction profonde, c'est qu'on ne peut pas préconiser à des clients de s'organiser de façon où dans un cadre où les silos sont déconnectés et être soi-même organisé d'une façon où les silos ne sont pas connectés ou mal connectés. Et quel sens à ce moment-là est-ce que cela a d'aller chercher qui, une agence média, voire même une agence pour l'affichage, une agence pour la télé, une agence pour le CRM, une agence pour le digital, une agence pour ci, une agence pour ça. Alors on peut dire, oui mais c'est mon rôle à moi d'annonceur de connecter. Je pense que le rôle d'annonceur, enfin le rôle de Danone, c'est de vendre des produits pour les bébés, pour de l'eau, des produits frais, le roi Merlin, nanana. Enfin bon, je vais pas... Voilà, c'est ça le métier. À chacun son métier. Donc voilà, donc je pense que c'est comme ça qu'il faut que ça marche pour que ça s'inscrive sur le long terme. Et si on ne le fait pas, eh ben, je vais employer une expression que ma grand-mère utilisait, bah, tu gardes tes yeux pour pleurer. Voilà. Donc si je résume, cohérence, sans me tromper, cohérence, connexion et convergence. À ça, on ajoute le leadership, hein, cette vision au-delà territoires, des périmètres de chacun, que ce soit côté agence ou que ce soit côté annonceur. J'ai l'impression qu'on peut rajouter le C de communication, que ce que décrivait Paul Amaury sur les audiences tout à l'heure peut être vrai probablement partout. Et sans doute un regard critique aussi, puisque tu le disais quand on parlait de mesures juste avant, être en capacité de se poser beaucoup de questions, de constater l'échec là où en effet s'en est un et ce qu'il apprend pour la suite, et remettre en cause en permanence la qualité de la donnée qu'on a à sa disposition, son adéquation avec les besoins qu'on en a, se poser la question de l'objectif, donc être dans cette quête permanente de la bonne solution méthodologique face aux besoins réels de la marque. Absolument. Et puis pas bon hésiter à faire du test and learn, ne pas avoir peur de se tromper. On ne progresse jamais quand on ne se trompe pas. Qui peut progresser à ski s'il ne tombe jamais ? Je ne sais pas si vous faites du ski. Ben c'est pareil dans nos métiers. Ben on peut limiter les chutes, mais le test and learn, on apprend beaucoup de ce qui ne marche pas. Merci beaucoup, Zisla. Alors, on a un deuxième sondage, mais avant d'entrer dans dans les résultats du deuxième sondage, vous avez le droit de poser des questions à Zisla. Alors, pour ceux qui sont à distance, c'est peut-être un peu moins compliqué, mais dans la salle, une délicieuse odeur de cocktail flotte. Et je pense que les questions vont en être raccourcies, mais s'il y en a, il y a toujours des micros. Ça, hein. Le cocktail fait son effet. Alors, on passe au sondage. Alors, dans le sondage qui a été fait à distance, hein, surtout, pensez-vous avoir les outils nécessaires pour mesurer de façon transversale, on en parlait, l'impact des points de contact CRM et médias, et plus largement, finalement, de vos leviers marketing ? Alors là, c'est une bonne nouvelle, une bonne nouvelle équilibrée par rapport à tout à l'heure. 45% oui, 43% non. On voit donc qu'il y a un certain chemin qui est déjà parcouru, mais que la route est encore pour partie devant nous tous, hein, à l'IREP, comme chez vous, Marc, et au sein des agences. Merci beaucoup, Gisela, à tous. Merci à vous.
parce qu'on n'arrête pas le progrès, à la fin de cette session, vous allez pouvoir scanner à distance, comme sur les écrans dans la salle, un QR code qui va vous permettre de nous donner un peu de feedback sur l'EpsilonD. Pourquoi ? Parce qu'il y a un nouveau rendez-vous prévu en 2024, en février 2024. Donc si quelques améliorations sont apportées à cette édition, bah, n'hésitez pas, c'est l'occasion d'en parler. Et bien sûr, on passe au cocktail. Et on remercie... Ça, c'est comme Michel Drucker, j'ai pas fini de remercier. Merci, un immense merci aux équipes de Publicis Live qui font de cet événement tous les 6 mois un succès, avec le charme du direct qui nous manquerait s'il n'était pas là. Et merci à Publicis Media, bien sûr, pour sa participation. Merci Zisla.